entre Capeta avec Connie, il prend l'autre dimension. Parce que dernière information qui vient de jouer nous désir venait selon métronome. Il fait qu'on est que dans quatre réunions que tu gagnes là, journée qui c'est vendredi entre PM Gaye Connie avec Mam Capeteo, eh bien que conseillère qui c'est observatrice dans Capeta Régine Abraham, m'a fâché et levé quitter salle pendant que PM Gaye Connie dans réunion avec l'autre conseiller. Tenez bien. Régine Abraham qui c'est une observateur en dedans conseil présidentiel transition. Eh bien, dans la réunion de travail qui était gagnée en discussion entre PM Gaye Connie et conseiller président, yo, eh bien, tellement que PM Gaye Connie a été très avec conseiller, yo, parce que conseiller dit sémanté que faut qu'il change le ministre du gouvernement, et PM Connie dit pas de bagaille comme ça, et là, c'est plusieurs réseaux par A plus B pour dire que pas qu'il y a remaniement, eh bien, conseillère observatrice Régine Abraham, l'y levé, l'y boudé, l'y fâché, l'y tupé, l'y quitté salant selon sa métronome rapporté. Est-ce que ça dit désir? C'est une véritable guerre froide qui existait entre deux têtes exécutives là. Zami internaute nous yo, moi dit nous prend note. Moi dit nous que question et Capeta et puis Connie ça l'a crasé. Ça veut bien ça me dit que son conseil présidentiel et Gaye Connie ça gouvernement a crasé. Et ceci dit, messieurs dames, pas faire élection. Il n'y a pas fait élection. Il n'y a pas résolu la sécurité. Il n'y a pas résolu le problème grand goût. Avait dit, misère nous calme nous. À peine commencé à continuer avec deux têtes exécutives là. Et pas oublier, ça vous connaît. Entre Capeta ou bien Gaye Connie, Guillaume qui va là. Entre Capeta, conseiller président, yo, et puis Gaye Connie, Guillaume qui va là. Mais même gens qui en pile secteur, qui en pile acteur dans la vie nationale, qui ont même demandé révocation trois conseillers, qui c'est Louis Gérald Gilles, Emmanuel Bertillère, Smith Augustin, pour révoquer trois nexaux parce que nous cité dans scandale corruption BNC. Bien que partisans, ces partisans, M. Sayo, je ne dis pas de bagay comme ça, mais en pile voile, je dis que trois M. Sayo qui sont des braquets, qui sont des atouts faits dans la question de la GBNC, ils ne sont pas capables de continuer à engager l'État. Et c'est la bataille, et c'est la discussion qu'on a regardé. En Capeta et Connie, qui est-ce qui a des réseaux sur l'autre, mais nous disons tout ça, véritable perdant, il n'y a pas l'autre que le peuple haïtien désire venir ça. Dans une situation malouque qui liée à question insécurité qui blaye sur route nationale numéro 1, li mette moun à kaye, cabaret dans gros situation difficile et même ambulance pas ka fonctionner sous espace, et bien population a trouvé dans situation et bien l'hôpital et qui dans zone là pas ka renouveler ensemble stock médicaments que gen. Autorité a besoin garder situation ça parce que li passé dans l'autre dimension qui extrêmement important. Lorsque l'hôpital qui dans espace qui pas ka renouveler stock li. On voit un pile monde qui a gardé, qui a tendu là, a pu comprendre dans quel niveau que crise ça arrivé les personnes. Divers acteurs politiques continuent à lever voix pour dénoncer et décision premier ministre Dr. Gaye Connie pour faire 200 mercenaires entrer en dedans pays à sans personne par au courant. Yo dit c'est capote parole parti signataire à Comontana et à ce Etilis qui crée pour ses pas opposants yo qui pral victime ou bien qui pral exécuté par régime PHTK, sans doute que vous faites quoi, que ancien premier ministre Dr. Gaye Connie, qui fait partie et gouvernement Matelio, ce n'est pas une mission et militant politique, yo crée en pile question ça, les personnes, yo crié d'avance, yo plein en pile pour question et mercenaire. Cependant, Gaye Connie lui-même, bon côté parle, il dit pas de mercenaire en dedans pays d'Haïti, mais il y a des formateurs. Qui vient là, qui vient bailler toute main avec la police, la médaille, qui trouve une situation très difficile. Mais il faut que nous d'accord, nous avons 25 militaires qui quittent le pays, qui ont une formation en terre étrangère, surtout la France, dans l'idée, pour être plus performant sur le terrain de bataille. Présidence et primature, les personnes, ils ont chaque agenda dans le pays. Ils ont chaque feuille de route dans le pays. Ça permet que vous n'avez pas ça permet que vous n'avez pas entendu avec l'autre ces déclarations. Deis Deonet, qui c'est ancien député Marigo. Deis Deonet dénoncé décision, ou décision, pardon, qui gagne nan mitan autorité. Deis Deonet regrette ces malheureux ak malheureux yo, kapé, pour kase ya, bataille qui gagne entre Tobe Glesayo, qui n'a pris Mathieu, qui n'a pris la présidence, qui pas décidé de faire concession
l'une pour l'autre qui continue à gommer pour qu'il y ait plus de pouvoir pour le peuple haïtien après des situations très, très, très difficiles. Blaise Peterson. Plusieurs riz abandonnés dans quel Port-au-Prince dans le pays d'Haïti. En pile riz dans Port-au-Prince. T'as coup, riz disant, riz avec magasin de l'État. Yo abandonné net, pied bois, même presque prend tout asphalte la Blaise Peterson. Côté tellement moun pa ka passer là-dedans à cause bal cap tiré dans nuit ou la journée. Ni la médaille, ni la police, qui se deux forces légales, qui se deux bras armés, la justice en deux pays, ils n'ont pas jamais fait rien pour la vie capable de retourner dans le quai Centre-Ville Port-au-Prince. Et en pile fois, que moun yo pati quitté, yo levé courir, tant que c'est Chatmaon, yo ratiboisé, yo quitté espace là, Blaise Peterson. Ça yo, yo c'est des exemples qui montrent. Modèle dirigeant que nous avons en deux pays, il n'y a pas dirigé pour le pays d'Haïti. Parce que ça ne pas dire qui c'est conseil présidentiel, ça ne pas dire qui c'est premier ministre, ça ne pas dire qui directeur général, il y a simplement senti confortable. Et si vous regardez, après Port-au-Prince perdu totalement, parce que si 85% de région métropolitaine a perdu sous contrôle bandit, ouais, ville de province, il a avancé pour le Vénézuela. Blaise, moun ton sondé, levez-vous. Yo manifesté, yo foulé béton. Aïe pour yo exiger autorité qui dans l'état prend responsabilité. Et yo même qualifié de complot. Ça qui a passé là dans département l'Artibonite parce que yo fait quoi officier kenyan yo, policier qui vient dans mission là yo, chaque après-midi, négocier ti bout chot qui sou yo pour al boue tafia pendant monde continuer à courir quitter yo ensemble espace. Et faut que ton rappeler et faire zami internet yo connaît. Hier après-midi, ils ont fait transport marchandises qui assure le trajet. Wanamet, la Tibonite, recevoir balle pendant la traversée. Route à Liancourt, Ponsondéa, Cézèv, Bandibas, Gangrifio, qui passe Spon, Ferraye, m'a fait ça ouvrir, à ça hôpital, dans le niveau département de la Tibonite. Pas de monde, par contre, à qui c'est que lui a laissé, n'est dans l'état, continue à gommer entre eux, Blaise Peterson. Désine a ajouté comme information de la canon en Haïti pour nous capables d'entrer dans les concerts d'emblée et analyser. Laissez que nous occupons en parlant de questions et sécurité, nous apprenons que la 31e réunion Task Force nan, qui est organisée et pour mettre sous place une stratégie nationale pour désarmement, démantèlement, remettre sous bon chemin à réduire violence communautaire. Mettez gain dans réunion ça et commandant mission multinationale AP UICQ TAC Haïtien. Monsieur Godfrey Otongue, qui lui-même était présent dans la réunion, 31e réunion Task Force, nous connaissons qui mettait la police, l'armée et puis et mission Kenyan. Alors, mission pour nous dire les préférences. Et à qui ça s'est servi jusqu'à présent? Je ne veux pas que jamais rien de sérieux dans la question. Disposition qu'apprend et bon côté autorité et non plus au niveau dans l'État pour regarder comment capable résoudre la question de sécurité. Laissez-moi dire nos amis internautes, selon UNICEF, UNICEF, c'est un organisme en dehors des Nations Unies, mais qui gère dans la question de Simoun. Selon UNICEF, tenez bien, oui, l'Haïti, il y a plus passé 3 millions de Simoun en Haïti qui besoin d'aide humanitaire à cause de son violence, instabilité politique et puis catastrophe naturelle. Plus que 3 millions de Simoun dans le pays, il y a besoin d'aide humanitaire. Il y a besoin d'aide humanitaire à cause question violence gang en un pays, à cause question instabilité et catastrophe naturelle. Na comprendre les que non pays si moun yo qui c'est espoir pays d'Haïti, notre pays dans mon team non c'est espoir. Les que non pays qui plus que 3 millions de moun qui en situation comme ça, eh ben dim qui espoir qui va assurer pour demain là. Nan 10 15 ans 20 ans. Est-ce que c'est pas pral pi mal que nous pral gen ça na vivre là? Est-ce que dans 10 15 ans 20 ans si moun sa yo, les que ça cap gen chance sauver yo, les que comme si l'aime de sauver ça pas mourir parce que dans grand goumi c'est calamité tout bagage ça yo, que ti moun ki pa ka résister. Les que dans 10 15 ans 12 ans 13 ans, eh ben nous pral gen de l'autre iso, nous pral gen de l'autre la mois sans jour, nous pral gen de l'autre ti chef gang en dans pays hein. Parce que si moun sa yo, yo pas jwenn encadrement l'état, yo pas jwenn support l'état, yo pas ka l'école, yo pas ka manger, yo pas vivre non
espace qui est décent. Haïti, nous déjà ouais que dans projection dans 10 à 15 années encore, eh ben Haïti nous on est là, li capable vin 40-50 fois plus mal si que pas de disposition, si que pas de vraiment de responsabilité et citoyenne qui prend bon côté autorité yo. Bien que nous là que quelque soit le TKP et le connu, nous est ce qui bande mafia, ce qui bande voleur, ce qui bande camouqué, ce qui bande rancier, ce qui bande bêtisé, je dis qu'a goumé pour pouvoir, qu'a goumé pour poste au lieu que yo goumé pour intérêt pays ça. OK? Et n'a dit tout, dans question immigration. D'après données OIM, fait qu'on est que gè plus passé 27 000 migrants haïtiens qui est forcé retourner la caille en Haïti. Et selon OIM, l'hiver qu'on est que c'est première fois que autorité dominicaine déporté quantité haïtien pendant un mois. Haïti ça dépassé et ça va jamais fait pour déporter quantité haïtien et dans un mois comme ça. Donc ça veut dire je dis n'a pas comprendre que et pays d'Haïti haïtien c'est résigner nous gonfler vin nous pour aller faire Haïti. Et qui fait Haïti veut dire qui ça al déchouqué et d'abord monsieur qui gèzam nan men yo monsieur Asapatio déchouqué bandi à cravate qui a financé monsieur Sayo déchouqué politicien traditionnel Rado Kale qui mettait pendant côté les là déchouqué en dit de nèg qui dans secteur privé qui n'est les oligarques corrompus qui armé jeune garçon dans pays déchouqué société civile droits humains et même de moun dans diaspora qui a alimenté insécurité en Haïti hein. Mais sinon si nous pas fait ça nous déjà ouais que Haïti la vin pi mal des ibenes. Désir, gè un ensemble d'organisations droit moun qui écrit et qui mandé pour yo révoquer ambassadeur américain haïtien Dennis Hankins après que l'été fin clairement avoué que li kon parle avec gang pour faciliter que li rentre soit dans l'ambassade là ou dis-moi que pour faciliter que li même avec un personnel li yo rentre dans l'ambassade là. Et bien, il y a un ensemble de gros associations mais qui décide mandé pour révoquer Dennis Hankins et bien, comme diplomate américain en Haïti pour que li pas diplomate américain en Haïti encore. Désir, laissez-moi dire, mon frère. Et laissez-moi dire avec Zamité, nous. Et nous, trop ça. Monsieur, comment c'est frappé? Donald Trump, comment c'est frappé? Comprenez bien. Pas tombé. M'a fait aucun haïtien paix. M'a fait aucun compatriote nous paix. D'ailleurs, notre travail d'éducation, d'information et de distraction, nous. Nous venons informer nous et nous faire analyse. C'est ça que moi, Désir a fait. Nous avons information, nous avons fait analyse. Laissez-moi dire, Désir. Dans une interview exclusive que Donald Trump a avec NBC News, jeudi qui était 7 novembre 2024, je vais prendre temps pour me libérer le texte bien, selon sa confrère, nous, Luxon Saint-Ville, rapporté. Dans le jeudi 7 novembre 2024, là, dans une interview que Donald Trump, président élu États-Unis, qui peut prêter serment, mais l'a prêté serment le 20 janvier, dans une interview ça, monsieur, avec NBC News, jeudi 7 novembre 2024, là, président élu a dit, il y a une priorité à l'administration liée à l'arrivée, l'élimouté en janvier, c'est renforcer les frontières américaines. Renforcer frontières américaines yo. Elle dit ouais question Mexique là, il va très très difficile. Mba di, ça qu'arrive moun toujours traverser, mais là très très difficile. Ah, il est clair parce que renforcer présence et renforcer frontières américaines yo, il dit c'est mettre prendre des dispositions et une songer question mi construit entre Mexique avec États-Unis, c'est sous Donald Trump. Elle dit li retourner encore, c'est certain. La prend de leur disposition qui puis ferme sous ça. Donald Trump dit, li obligé respecter promesse li te fait nan campagne li. Côté li te dit, la lancé yon gros opération déportation historique. Elle dit, li campé de ça. Le que journaliste NBC News yon pose la question. Yon dit, monsieur, comme ça. Leur poser la question sur quantité d'argent plein déportation ça capable coûter États-Unis. Eh bien désir, t'as bien besoin de mettre notre nous. Donald Trump dit
c'est pas une question l'argent, mais yo pas gain choix. Elle dit affaire mon a dit ça va coûter États-Unis puis l'argent pas bon. Je dis et mon question de l'argent, mais le pas gain choix, faut les déporter mon yo. Monsieur dit pendant la si aller d'après chiffre autorité yo nan immigration te bay EIS li te publié en 2016. Yo te fait konnen que pour yo arrêter mettre en détention traiter dossier à déporter un grand immigrant sans papier li te coûter la li te coûter mais li coûter États-Unis pour pipiti 10 900 $. Ou a fait calcul là pour moi. Si que de notre prêle déporté plusieurs millions de monde, ou a gardé pendant mandat là, combien de cobs ça peut coûter États-Unis. Même je dis, eh bien, question de l'argent, mais c'était aux promesses campagne électorale, il voulait respecter et la respecter promesse campagne électorale, ça. Il est clair sur ça. L'autre, ça qui commence à prendre comme décision déjà, que toi commence à frapper, tenez bien, en pile dans nous, te connais ça. Les que Abiska Sobaïde non, à Wissan, yo te prend décision, puis yo te dit que, et, gye de moun, qui États-Unis, longtemps, mais qui illégal, qui bagay papier, mais qui au mari avec un moun, qui c'est citizen, y a entamé un processus pour moun sa capable, alors moun ki illégal la ki marié avec ou Amérique ou Américaine bagay sa yo, pour ba li san rele et résidence. Eh bien, laissez-moi dire non. Laissez-moi dire non. Eh bien, programme sa ki rele Keeping Family Together, hein, qui permet, qui ta permet yon immigrant qui te rentre illégal aux États-Unis, kap vi sou territoire depuis 10 l'année, et qui marié avec un citoyen américain capable vinn gen résidence et même vinn citoyen américain tout mais jeudi qui était 7 novembre 2024 attendez bien mais juge fédéral Campbell Baker monsieur décidé répondre positivement à une action en justice 16 états républicains et à une autre organisation té lancé contre programme ça juge lundi les constater programme ça les programmes n'ont violé loi américaine sur immigration peut-être ça li campel Jean 16 état yo té mandé ça là comment c'est sérieux l'autre pas encore comme information té gon semi immigrant nous connecté entré surtout qui vient États-Unis mais qui soit New York par ça yo et bien autorité municipale dans New York yo té prendre des dispositions pour héberger moun sa yo pour ba côté pour dormir et pour ba possibilité un petit frère un petit moyen mais qui s'arrivé ça dit bien programme pilote ça te permet yo distribuer by famille migrant qui dans hôtel que la mairie t'a financé 4 débit ça te aider famille yo acheter conservateur yo attaquer et alors acheter propre manger pa yo mais programme ça n'a pas songé conservateur ou attaqué plusieurs fois déjà. Et plusieurs fois déjà, distribué depuis financement mois mars passé, hein? Et bien 4 débits pour yon valait 3,2 millions de dollars à environ 2600 familles migrants qui vivent dans l'hôtel ça. Et bien jusqu'à présent là, son décision que magistrat New York, là, qui est Eric Adams, et bien il prend l'ICAPE programme ça. Mais jusqu'à présent, pas de trop détails pour qu'on ait qui ça qui fait yo prend décision ça. Qui donc, je dis à désir, décision en pile qui commence à prendre aux États-Unis. Elle dit pas oublier de notre poko rivé, li beaucoup près des serments, mais déjà pas oublier, li gè tout match de manœuvre l'État américain en main. Parce que li ronflé et Sénat, li ronflé chambre des députés, hein, elle veut dire là, li gen l'État américain en main. Elle gen des conservateurs américains qui rejoignent, qui d'accord avec elle, pour que li remette États-Unis campé. L'em dit que, comme information, moi me partager avec nous, li information, hein. L'em dit que m'pap fait, haïtien frère, m'sem yo, kè ou sauté, du tout pas m'bag intéressé à tout.
Et m'a seulement dit que comprendre bien Donald Trump, c'est vrai, il président du pays, États-Unis. Quelle décision que le cap a prendre, il doit pas gagner, il aucun obstacle qui pourrait empêcher que pour pas prendre décision ça. OK? Mais il y a des décisions que l'État a pris, mais s'il a voulu prendre, par contre, il y a les raisons humanitaires. Raisons humanitaires. Bon, peut-être, l'État ne doit pas réfléchir sur ça. Mais pas oublier, États-Unis, son pays immigrant, son pays, la loi, son pays côté que il y a plus de monde qui prêt pour défendre et ça peut faire bio. Mais dans les raisons humanitaires, monsieur est certain que si tu as des décisions que Donald Trump a décidé de prendre et qui t'a joué aval, vote, dans le niveau Sénat, dans le niveau et chambre député, hein, mais qu'il y a un pile organisme, un pile avocat, un pile autre secteur dans la vie nationale aux États-Unis, il pourra le questionner, il pourra l'analyser, il pourra regarder ça en l'autre gens. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que nous pas dit que Donald Trump pas prend des décisions. Il a fait il a fait pays, il a défendu pays, il a prend des décisions qui sont bon pour pays, qui ont intérêt pays. OK. Mais Kounia, il y a des gens quand même pensé qui pourraient questionner. Kounia, sous question immigrants haïtiens qui États-Unis. Et qui Kounia commence à faire pile tête, pas oublier. Pendant en pile nous a dit que fond traverse Canada, mais l'État Canada, l'État canadien commence à prendre des dispositions tout lui-même. Parce que li connaît que en pile nan nous en pile immigrant après commencer quitter États-Unis pour aller et prendre pour aller Canada yo même tout yo dit que et pays a fait y a prendre des dispositions tout y a prendre des dispositions pour empêcher que à nous même pour une traverser franchir porte pour aller et pour aller Canada. Bon qu'on y a on dit que c'est résilier nous c'est préparer l'esprit ça me dit là moi même c'est préparer l'esprit tout immigrant qui a vivre aux États-Unis et surtout immigrant haïtien préparer l'esprit nous à n'importe ça qui t'arrive comme décision que Donald Trump lui-même t'apprend eh bien juste préparer l'esprit et ça qu'apprend qu'il prend et puis on même la vie continue vous voulez mettre ça dans tête tout que quelle que soit décision que Donald Trump t'apprend comme président la vie après possible depuis que la vie gagne espoir ou pas États-Unis côtoyer ou vivre quand même ou adapter ou vivre c'est Haïti comme Haïti pareil moi m'a parlé yo t'a pimpé yo déporté plusieurs millions haïtiens marronnais ou rivé Haïti monsieur certes c'est vrai Haïti jodi an là li pas condition pas réuni pour que ou moun ta rentre Haïti mais pour ta déporté moun en Haïti mais ou pas gen le choix si c'est là ou prend pour déporter pays ou lié ou pas ka du pas aller ou pas ka tuer tête tout eh bien dès vous rivé ou vivre ou adapter quand même. Et les gens et pas seulement porte presque pour moun vivre. Gè de vie prouve ça, soit les wap vivre. Sauf que, gè accessibilité en termes de service, les gè doit difficile pour jouer, mais quand même wap adapto. Parce que, ou devine États-Unis ou adapto. Ou al Brésil ou adapto. Ou al Chili ou adapto. Ou al, comme si, quelque chose koto ya wap adapto quand même. Haïti, haïtien, pas que vous faites tête chaud, pas que vous cassez tête nous comme si, mandez l'amour pour tête nous, vous comprenez, juste rete tête prête, rete suivre tout, ça prend le vini, ça prend le dit, ça prend pour comme décision bon côté, et prochaine administration, et Donald Trump et Jenny Vincent, des événements. La situation, nous, besoin qu'on ça. Donald Trump, président des États-Unis d'Amérique. Décision qu'elle a prise, c'est pour les États-Unis d'Amérique. Quel que soit haïtien, dans quelque soit façon que vous êtes rentré aux États-Unis, eh bien, s'il décide, la prendre des décisions selon la loi pour les États-Unis d'Amérique, ou pas épanier, parce que c'est le pays lui-même l'a fait. Je veux dire, nous avons une responsabilité, nous avons un rendez-vous avec l'histoire. Parce que si vous avez tant de divers mondes qui ont réagi sous position dans la champion, vous avez vraiment, ouais, les personnes, les gens qui sont d'accord, pour Donald Trump prendre décision, surtout contre immigrants, pour faire venir la caille, dans l'idée pour être capable de venir travailler pour rendre Haïti soit dans sa vie. Est-ce que moi-même, je peux aborder des questions comme ça? Je vais dire non, je ne peux pas aborder comme ça, parce que moi, je connais pas vraiment gagner y a une préparation pour recevoir Mounsayo qui peut être capable de sortir des États-Unis d'Amérique pour venir en Haïti.
Ouais, n'a regardé ça qu'a sorti en République dominicaine yo. Dans qui condition infrahumaine que OIM a... Là, c'est pas seulement et situation compatriote haïtien, c'est pas seulement ces domaines. Alors, pas seulement et États-Unis commencé et à paniquer yo, à choquer yo, mais comment mais déjà ces domaines. Mais pas seulement, comme vous désirez, en parlant de question de déportation, Jamaïque ou Bahamas a déporté haïtien là tout. Voilà, c'est ça que d'abord ajouter. Ça pas empêcher que déportation a pour poursuivre de tout pays qui gain haïtien qui vivent là-dedans. Mais focus en liberté sur les États-Unis d'Amérique. Parce que en pile monde garder les États-Unis comme la terre promise, au monde qui la donne, peut-être les joindre des opportunités qu'elle pas joindre de l'autre côté et qu'on bagarre qu'on besoin qu'on blesse. Haïtien te met voyager dans tout pays dans le monde là. Depuis le poko rive États-Unis d'Amérique, li senti, li poko jam diaspora, li senti, li poko jam voyager, li poko jam pati. Faut qu'on assume responsabilité. Faut qu'on reste assume responsabilité pour attacher même valeur qu'on bail avec les États-Unis avec la caïnou. Parce que je dis si les États-Unis gagnent valeur ça dans yo. C'est pas l'autre bagarre, nous pas mettre quelqu'un. C'est les Américains qui te dit bah au sacrifier une fois. Pour permettre que les États-Unis s'allient, je veux dire. C'est vrai, m'a d'accord. Je dis que les immigrants, ils ont pratiquement participé dans le développement des États-Unis d'Amérique. Ce sont des ouvriers qui ont des cales travail, des caractères, des dimensions, même fournis, plus leur que ça va être possible, pour au moins qu'ils aient aidé à construire les États-Unis. Mais ça n'a pas bon droit pour passer l'autre dans le pays mounio, pour dire, mais qui ça va de faire, mais qui ça va de faire. Les besoins que vous-même, à travers pays pau, qu'on prenne responsabilité pau, ou permettre que peuple ou capable de vivre là-dedans. Je veux dire, majorité haïtien, yo trouvé yo dans courri. Ok? Yo trouvé yo dans situation très difficile. Depuis 5 et 6 novembre, élection fin fête des États-Unis. Nouvelle la tombée. C'est Donald Trump qui arrive président des États-Unis. On paquet haïtien qui était Haïti, qui était États-Unis, a baité du problème. C'est là qui pratiquement des bon famille qui te fait application. Et dans le programme Parole Humanité Biden, pour vous, vous n'avez vraiment paniqué. Les gens qui sont arrivés les États-Unis, ils ont paniqué. Tant que vous dites, en pile, vous avez appelé Dr. West, vous avez switch. Le pays de switch, c'est changer pays. Quitter les États-Unis pour traverser le Canada. Mais est-ce que vous pensez que le Canada a quitté pour l'ouvrir, pour le recevoir, n'importe qui gens? Est-ce que le Canada n'a pas de principe migratoire? De pas une façon qu'elle comprenne pas, de pas une façon qu'elle voit bagaille tout. Comme si la quitte envahi. La quitte de rentrer sans pas mettre pièce principe. Je sais mon quoi. C'est pas courir pour n'a courir pour l'État américain qui décidait, qui annonçait, il va faire déportation massive. Non arrivé dans la chambre en janvier qui a venu, mais c'est préparer l'esprit, préparer brain nous. Pour nous retourner la caillou pour une bataille. Bon que des amis qui a dit mais désir. Ce n'est pas tout le monde qui n'a pas tourné, non? Et quand nous avons fait tout ça que nous avons gagné, pour nous partir pour nous dans les États-Unis. Nous n'avons pas gagné un crété si nous venons. Même devant Galimoun, nous n'avons pas arrêté parce que nous avons gagné dans la zone. Nous avons vendu pour nous partir. Nous avons humilié. Mais, attendez. Et il y a des gens qui ont été retournés. Mais il y a des gens qui ont été retournés là. Les gens qui ont été retournés là. Ça, c'est une façon de raison. Moi-même, Blaise, je crois que je dis. Tout désordre qui a fait dans le pays, le programme Parole Humanité Biden, li amplifie. Ça me dit pas là. Majorité de moun yo concentré yo, sous case, tricker, y a veillé, y a tant email, y a pas de bataille pour payer. Parce que dans tête, yo, yon l'autre pays de l'autre. Pas d'espoir, Kounia. Pas d'espoir avec Bayer, tant de Bayer, qu'est-ce email, Kounia. Majorité de moun qui levait parti yo, c'est les combattants, ensemble de moun qui te kap dans décision, qui te kap. Et camper en face du gouvernement, pour dire non, ça a fait dans le pays, il doit continuer à faire, moun sa ou pas dans le pays. Il est parti. Vous pouvez majorité institutionnelle s'écraser. Là, on parle des conseils d'administration, BNC, Unibank, tout ça va s'écraser. Université, tout ça va s'écraser. Parce qu'on n'a pas qu'à 4 parties là-dedans, dans l'école, dans l'université, dans l'hôpital. Je veux dire, le pays d'Haïti, c'est un problème. Médecin sévère. Parce que tout médecin, ça, il est levé au parti. Là, on arrive aux États-Unis, il pas dans l'hôpital, il y a le travail. Qui est ça? Et soit dans Amazon, et soit dans Walmart. Il y a le nom de sa house ou magasin, il y a le fait travail côté à manger, pas facile de manger. Ou bien il y a un arrangé, il y a un côté qui est champ, il y a le travail, mon sang, et
bagay ke pa la fè la kayo. Non, pays a perdu pile. Pays a perdu pile. Vous comprenez? On paquet médecin parti. Je dis, moi dis que gen un maman samedi qui était 2 novembre qui vivait perdu la ville avec deux petits monde qu'il t'a accouché dans l'hôpital La Providence HPG Gonaïve. Il t'a fait deux petits. OK? Une jeune demoiselle 27 l'année. C'est gen 9 et médecin qui était dans l'hôpital La Providence. Ça commandé transfert, il m'a demandé transfert. Sac parti, le parti qui te paye. En pile police que vous avez engagé dans la bataille la Blaise. C'est parce que vous connaissez un email. Il y a parti pour qui te paye. On dit, mais ça, il y a fond, je vous traverse Panicaragua, Mexique. Laisse ça, t'es bon. Laisse ça, t'es bon. Vous n'avez pas voulu aller dans la bataille parce que vous regardez, vous commandez dans la police. En pile dans les gueux. Est-ce qu'on est gueux qui n'ont recommandé dans la police? Parce que je dis, il faut que vous ne parlez pas de cause parce que nous vivons dans une situation qui est difficile. Exact. En pile dans les gueux dans la police, vous avez gagné, Blaise. C'est comme ça qu'il y a une opération qui a pris ici. Il y a un qui est inspecteur général dans la police. Il y a un qui a grade commissaire. Il y a un qui a grade inspecteur. Agent 4, agent. Il y a tout. Il y a un gagnant. Il y a fait business cartouche. Par rapport avec l'uniforme qui est sous le dos, le badge qui est au gagnant. Pièce locke, depuis arrivé, oui, son papa. Il n'y a pas de checker machine papa. Il n'y a pas de checker machine alpha. Parce que c'est ça, nous tout entendons Abdi. Son papa, son alpha, machine n'a passé, il passe avec ZAM, il passe avec balle, il passe avec drogue, sans pièce problème. Combien de fois qu'on tente arrêté de wou et cadre dans la police? Qui ça doit le faire? Soit on lâche balle pour bandit, ou bien, il y a un dans l'unité d'élite, dans l'unité spécialisée, avec pile cartouche dans même. Qui ça doit le permettre? Un policier qui c'est agent 1, agent 2, agent 3, agent 4, pour. Toujours Kébé, même modèle motivation dans le gouvernement contre gang qui gagne dans le pays. Ou pas senti que Gonjouet a les menés vini, nèg yo comme yo gagne même mettre ambassade des États-Unis d'Amérique financer et la police, ok? Ou bien financer formation pour la police, li même tout, li gagne des formateurs qui ont formé gang yo. Si m'a 103 zombies blessés, les sons, te gagne yon image, drone qui te prend la rue. Mouen en pile moun gadel, yo wè se mais on blanche étranger qui a manipulé drone pour si m'a 103 zombies. OK, ça veut dire nous prenons un complot communauté internationale là arrangé pour yo voyer des monde vite faire formation pour gang yo même ça que me te dire là déjà pas qui rien moi même qui éviter me croire c'est pas même formateur américain qui a fait formation pour unité d'élite qui dans gang yo qui a fait formation pour la police pas qui rien qui dit c'est pas même formateur des États-Unis d'Amérique qui a fait formation pour la police pour unité d'élite yo qui a fait formation pour gang yo. L'on a regardé, gang yo, je disais, dans le modèle déplacement, dans le modèle posture avec ZAM, c'est des gens qui prennent des formations académiques à Mairie, dans Jacques Okapé. Est-ce que c'est pas routine, yo tellement pratique et routine, non? Yo vin maton là-dedans. Je ne vraiment pas quoi ça, parce que tout professionnel en Amérique, yo parle avec yo blessé son, yo dit, pas de bagarre comme ça. Nèg la a utilisé ZAM, non, certes. Mais gage que ouais n'a pas pour des examens. Gè positionnement qu'elle prend avec examen, li besoin yon professeur qui pour directionnel, qui pour dicter, qui pour former sur question ça. Je dis à bandi yo à l'aise. Yo à l'aise. Comme si on groupe bandi traversé. Ba ça me coco jambe Gabriel, ça passe cabaret. On groupe bandi débarqué quitté village de Dieu. Il y a jeune nèg canarin ak uniforme sou yo, zam nan men yo. Avec masse, yon création commissariat. Avec masse. C'est pas avec Angelo. Combien de temps yon prend pour finir Gazelle? Pas gagnant intervention musclée et intervention sérieuse qui fait pour te empêcher ça. Elle vini de, li vini dans le cadre de provocation que la police fait avec criminel yon. Je veux dire, Brez, si moi pratiquement, vle goumé avec yon, m'a balancé force yon. Si le pas proportionnel, li conseil bagaille qui me fait, m'a fait bac. Parce que je dis, n'est-ce pas aller faire photo, faire vidéo devant le commissariat Kabaye? C'est parce que notre population, eh bien, yo prend force à des bras parce que yo voit que la police vient là, il fait vidéo, la police dit qu'il prend contre la situation. Moi, est-ce que 24 heures, yo abandonné et puis écrasé, jusqu'à présent, pas une position officielle sur la question. Pas attendez rien qui dit, ou attendez le premier ministre à plein, ok? De l'insouciance, insatisfaisant. De support que communauté internationale, que tout, yo te fait nous tout quoi là-dedans, à bail
avec mission multinationale ou bien à bail avec Haïti. Et là, vous tendez, même premier ministre, chef gouvernement, chef CSPN, dit ou comme ça, ça qui est à bail, qu'il y a avec question support en sécurité, il est inapproprié avec ça qui a besoin. Ça nous comprend. C'est 40% de ça qui est promettre pour le bail qui commence à arriver. Et en pile, ce n'est pas des matériels de combat qui est. Ce n'est pas matériel et de terrain qui est, c'est matériel d'entraînement. Ou bien, dans 40%, grand pile manger là-dedans. Parce que les Kenyans, on m'apprend que les gens frappent en pile. Les gens mangent en pile. Les gens sont en misère quand vous mangez la caille. Je ne sais pas si vous avez vu la map. Je ne sais pas si vous avez vu les policiers haïtiens pour les gens. Je regarde une photo de Godfrey Otonge qui est chef de mission dans le 31e bagage. Regardez, il y a des gens qui ont fait des têtes machouées. Comment? Là, nous trouvons une situation comme ça, Blaise, il a besoin de conscience. De conscience, ou a besoin de sens patriotisme, ou a besoin de révolte. Faire révolte là, dans tout sens, dans toute manière, dans toute forme et dans tout secteur. Surtout l'école, je veux dire, tu as de grandes révoltes qui ont fait là-dedans parce que tu n'as pas appris à Timon, tu n'as pas pays. Les États-Unis d'Amérique, le Canada, la France, depuis Timon, tu as rentré l'école, Blaise, on croit que tu comptes ça. Premier bagage que apprendre c'est remet pays. Ça que après chaque petit monde qui passe l'école aux États-Unis, il a gagné minimum formation militaire parce que il t'a dû engager dans bataille pour sauver pays aussi pays dans situation difficile. Mais je dis au plus apprendre jeune garçon avec jeune femme qui en Haïti qui l'école pour préparer mémoire, préparer temps pour lever partie des pays. Il a plus arranger pour faire comprendre c'est avenir que yo ta de gagner yo va cajon là c'est dans terre étrangère que va venir comme qui sont veulent comprendre là qui ça au monde veut faire monde comprendre des monde sont cap diriger pays là qui mettent l'esprit au plus dehors qui mettent l'esprit au côté à vivre là parce que majorité nèg ça yo quel était président quel était ministre quel était directeur général puis gros investissement pas fait dans pays là je dis processus rapatriement américain là la permettre que nèg yo fait comprendre construire pays yo. Construire tes natales, ils sont des voix pour chaque citoyen, ils sont des voix pour chaque monde qui est côté qui est sorti de la situation. Désir Kounia, nous allons regarder le dossier qui pour avec question et j'aime te dire dans le commencement qui c'est bataille ça qui existait entre conseil là et puis PM Gaïkouni. M'a demandé que qui est-ce qui a finalement gagné bataille ça? Parce que bambo bagay on est de grand monde dit des taureaux pas marrer dans même pâturage pas plaisir ou même qui c'est nèg province je dis ça des taureaux pas marrer dans même pâturage parce que yon a goum avec l'autre jusqu'à ce que yon a tué l'autre et bien capété à son taureau connit son l'autre taureau mais à noter capété à plus gros taureau passé connit parce que c'est capété à qui mettait connit. Peut-être nan dilio nan tatio m pa konn salte ou comprenn nan dilio nan tatio m pa konn salte mais c'est capeta qui en les têtes connu parce que et accepté pour te voter et voter connu et pour te venir premier ministre. Peut-être est-ce que c'est dil mal fait, est-ce que c'est ça que t'es négocié que t'es parlé yo qui peut-être pas respecté que m pa konnen, OK, ou dis moi est-ce que c'est parce que connu vin ça c'est le trois chef que par contre est et je parce que gè de secteur gè de moun ka moun ki était connu qui fait connaissance c'est que jodi an la pa gen ki ka fait rien, est-ce que en même temps tout ka pété an parce que le connaît que il fait office de la présidence et il senti que le ka décidé faire ça veut faire qu'on dégale tout, mais est-ce que parce que secteur ou bien parti stricti qui voyait conseiller ça dans conseil là ka moun tété tio pour capable créer plus instabilité et pour que pays ça pour le pas jamais sortir dans sa lié là. Est-ce que ça lié? Parce que m'a posé question. Et monsieur Siaté n'a posé même question ça. En pendant que je dis en là plus que 700 000 moun déplacés forcés ben Dieu fait ou quitter la caillou. Pendant que je dis à gè des zones où se tenait des idées ça tout à l'heure en bas la ville, rue du centre, rue de la Réunion, Oswald Juran, Ricet Honoré, toute zone sa yo, yo c'est des zones qui abandonnées, c'est ragé. Pas qui moun dans zone sa yo.
Depuis le mouvement 29 février que Vive Ensemble déclenché, contre Ariel Henry, c'est des zones qui abandonnées. Alors que zone ça yo, te kon plein activité là dans yo, côté qui mal c'est qu'on a dégagé yo. Je dis a pas gagné la vie. Alors que monsieur ça te dit a venir là pour yo capable remettre pays à camper. Jusqu'à présent n'a parlé en là. L'hôpital général pourquoi j'aime quand service non? Jusqu'à mon a parlé en là. Malgré visite et comment Gary Konite fait et négocier pété balbaï ça jusqu'à présent n'a parlé en là l'hôpital général poko jam en service a dit ouais ensemble des problèmes qui existaient yo n'ego pas même tenir compte de yo mais yo tenir compte pour gourmer pour pouvoir pour poste gien ensemble de ministère gien ensemble de l'état gien ensemble de l'hôpital centre de santé public ou privé ensemble ville Port-au-Prince qui poko jam capable fonctionner non qui poko jam capable fonctionner. Elle dit, comment je dis? Elle dit, ça pas priorité, nek sa yo. Gen ensemble de l'école nationale lycée qui dans la région métropolitaine Port-au-Prince nan, et qui dans Balatibonite, Tirivienne, Liancourt, qui va jamais fonctionner, non? Ça pas priorité, nek yo. Et, m'se hésitande. Ok? Vous comprenez? Moi, c'est hésitant de que ministre commerce et industrie, James Monazar, côté que monsieur n'a rencontré que des gars avec Andy et comment va-t-il encore? Opérateur qui tire l'yo, là-dedans qui est ensemble de promoteurs quand on fait bagaille balle, et il était parlé avec lui, il m'a dit diaspora haïtien, rentrer Haïti, venir à la fête avec famille. Bateau de désir. Le gars plan pour yo blesse. Ah, m'a connu. Monsieur mandé, oui, monsieur dit ça. Les mandé diaspora haïtien, il met rentrer, vienne fêter avec famille. L'État prend toute disposition pour garantir question sécurité dans surtout capital la et zone qui environnel yo. Bon, mais c'est pas connu à blesse. Regardez. Si l'État t'a fond bagarre, premier côté t'a arrangé pour te rendre safe côté des Acadiens. Et grand sud la côté pour moun yon aller nan plage yo dans espace sa yo yo t'a arrangé yo si ministre touriste a parlé je dis yo t'a arrangé pour faire contrôle et si rivière la Tibonite qui gè parlé 365 portes qui gè fò la kèt a pied espace sa côté pour ta camisé bon bandi toujours contrôle espace yo pendant moun yo vini blesse dès que gè plan semble que nèg yo wè taux de kidnapping ou bien quantité kidnapping que yo te kon fait diminuer y a arrangé pour faire moun yo tourner jusqu'à présent la blesse. Et ou qu'on a mon a parlé de on sait des gros plages qui sont sous côte des Acadiens. On sait des gros chaînes d'hôtels qui sont sous côte des Acadiens. C'est bandit qui contrôle l'espace là oui. Comme si on avait évité pour venir qui côté à venir. Port-au-Prince mon a fin descendre dans l'aéroport là pour rentrer la caillou pour garder la caillou avec facilité pas de venir. Quand t'as passé? Il y a pas il y a tout prendre avion. Non mais lycée pour désir. Mon qui parle au caillou là fin descendre dans l'aéroport et tout seul vêtu là. Il y a tout prendre avion là gueu la caillou au caillou. Eh bien, la tresse, oui. Bon, game qui a toujours entré, vous savez bien, mais il n'y a pas entré Port-au-Prince. Il y a tout descendu au cap. Plus ou moins quoi comme ça. Il y a tout descendu au cap. C'est quand même, après quelques grenades, c'est cap descendre. Moi-même, et pas de quoi j'aime décourager ou non. Et parce que condition que sécurité n'a pas tabli. Parce que imagine, vous avez la négociation. Je ne parle pas d'hypocrisie. Et je ne vais pas faire gymnastique, je ne vais pas faire stratégie pour l'État couper un sac pas préparé. Quelles conditions pour mon vivre dans le pays? Yo pas créer sécurité. Si moun yo décide vin la caillou y a vini mais l'état pas ka inviter moun yo vini parce que l'état pas ka même bay tête sécurité blaise. L'état pas. Non mais li clair désir, li clair frère parce que quoi que bambi l'état la quitté en banan. Et contrôle l'espace. Et ça me dit li clair, l'état pas ka bay tête sécurité parce que c'était quoi que bambi l'état qui yo même té en bas la ville, je dis avant en bas la ville encore. C'est moun té avec dans Odelma, moun té avec dans Petionville. A dit l'état pas ka bay tête sécurité. Et puis gros l'hôpital paysan qui hôpital général. Et jusqu'à présent, je ne vais pas fonctionner. Là, je suis d'accord avec vous. Moi, même pas faire gymnastique comme si je me disais, ça va venir quand même. Je vais me mettre sur le lit, quand même.
Ben laisse ça c'est soit mon décision pas mon. Mais dis mon diaspora rentrer, vin fêter avec famille, vin bagarre avec famille. Les pour fêter des première condition pour les mon a fêter pour fêter, faut comme si l'espoir en paix, l'espoir reposer. Faut ça sous safe côté. Bon imagine qui est mon qui va. Moi même je chaîne masse. Les moments époque décembre et moment en pile ti machin a dégagé yo, vous comprenez? Et tout 2 3 4 heures du matin, mon a dégagé, rien la vie chan masnan. Si mon bra bre crème, mené mon a bre crème, mais ça m'a dit plus mon connel. OK, bon on chan mas qui a abandonné, hein? Quand là on nèg là, ou ta ré folie rentre Haïti là, m'a dit folie. Ou nèg ta rentre Haïti là, ou ta rentré Haïti, ou ta ré folie chan mas kounya? Hein? On a eu folie pour ça. Mon cher, mon cher, ma sœur, mon de toi bien là. Mon cher, mon de toi blague là. Qui bon? Soit aller, monsieur, c'est de bien caler ou à risquer. Ou à risquer. Mais on monde qui quitte pays à quelques années, mais pendant que crise est là, ou t'as joué entrer Haïti, ou à risquer. Mon cher, mon cher, sur même fond, moi, je dis, hé, ou qu'elle va bien en tête. Des familles qui tout ça. Des familles qui tout ça. Et donc, je dis, je veux comprendre. M'le que nous gardons bien et comprendre bien ça gain là. Que le jeudi hein, vrai problème non, c'est autorité. Bon, en passant dans des tivais et puis classe tadoué en Haïti pour faire l'année hein, pour jouer quelques balles. Bon, il y a pas plusieurs villes province, c'est bien quand même parce que moi quoi déjà ça a des années pas jamais joué Haïti, réseau insécurité mais pas faute surtout. Et qu'il y a plus l'autre jazz qui t'a bien aimé tout même et rentrer à Haïti pour aller jouer à la plaisir à Haïti. Mais surtout dans ce moment ça là, malheureusement, parce que c'est deux moments qu'on a pile balle en Haïti, c'est vacances et puis décembre. Bon, malheureusement, il y a des années là, pas de bagarre comme ça. Moi-même tout, moi espérer, me souhaiter, me t'en rêver, que yon les Haïti moment, après ça comme activité. Après ça comme activité. La vie a reprendre dans le pays. Hein? Moi attend moi espérer ça que la vie a reprendre en notre pays hein. Yeah, m'attend m'espérer ça que la vie a reprendre en notre pays moi-même. Est-ce que vous comprenez? Que je dis là, semble que chaque monde comprenne que ça Haïti a vivre là au lieu que soit 10 ans monde qui l'a né les autorités yo. OK? Monde qui l'a né les autorités yo au lieu que entendez yo arranger yo pour établir sécurité, pour mettre la paix, ou tendez, c'est goumé à goumé, pas vrai? Il y a goumé pour poste ministériel. Mais laissez-moi vous dire, est-ce qu'on est, d'après toute dernière information, il y a 5 conseillers sous 7 qui signent une résolution pour évoquer qu'on est, 3 nèg qui impliquent dans ce qu'on a la corruption signé le 2 nèg qui passent, c'est Laurent Saint-Cyr et Edgar, oui. Mais pendant que Edgar avec Laurent Saint-Cyr a pas signé là, mais n'est pas opposé avec évocation Gary Kouni. Et puis elle apprend ça. Elle dit Louis Gérard Gilles, Emmanuel Bertillère, Smith Augustin, 3 conseillers ça que et non cité dans ce qu'est la corruption, BNC1. Et en plus, c'est qu'elle avait voir pour demander M. Sayo, retire qu'on a conseillé là, et bien on apprend que Nex a parmi 5 conseillers que non signé document ça. On a essayé de comprendre. On a essayé de comprendre. Maintenant, quelle situation qu'on devait venir ici, là, pays d'Haïti, ils avaient un petit peu pas ici. Ouais, je dis là, moi, comme si, vous avez quitté ça désir. États-Unis, puis intéressé à Haïtien, qui en Haïti va se passer Amérique qui est États-Unis. Je dis là, Haïtien qui en Haïti, est-ce qu'on ne puisse paniquer? Pour États-Unis et pour États-Unis là avec rivé de la OK situation qu'on en Haïti hein. Moi je comprends Abdoulan non désir. Moi je comprends Abdoulan. Elle dit côté orien puis on t'a metté pression, metté accent, metté focus sur lui. Il a pas metté focus sur lui mais metté focus sur l'autre côté que il pas même peut-être espoir que côté metté focus sur lui il a même rivé là non. Moi comprends ça. C'est comme quand on a dit que, ou gars, on a la caillou, au lieu qu'on mette presse dans la caillou, ou à contre les voisins qui ont fait la caillou lui-même. La caillou en désordre, et voisins qui ont mis l'autre là, c'est comme si, quand les voisins ont pris intérêt, qui ont dans la caillou qui est en désordre là. Et ça, il s'est fait là.
Au lieu que yo comprenne, yo mette pression, yo exige soi-disant mon nouvel autorité là qui en Haïti yo, quel que soit le gars connu, quel que soit le capété, mettez pression sur yo, goumer avec yo, forcez yo, mettez sécurité dans le pays, mettez travail, mettez pays stabiliser pays, qu'on a ouais haïtien dans toute la rue. Ah mon cher, de la troupe pas venir là, il va faire ci, il va faire ça, il va faire ci, il va faire ça. Mon gars qui me mettez compréhension sur border. Il y a mon qui va TV venu. Là attendez mardi 5 novembre là. De notre président pendant ces temps pendant ces temps on partait dans compte que il y a deux groupes volés là, il y a deux groupes vagabonds là qui s'est capété avec équipe connue qui a fait compte des audios là. Bon, moi on se sort ça des ou pas comme si on voit bambo ou pas comme si pays comme si son pays ou pas comme si ouais Haïti tout va bien marcher connu. Ah oui, parce que on pas attendre rien comme si pays douce mon pas rien rien pour yo pays douce dans moment. Comme si bagan, eh moi avocat fait comme l'a dit là. Qu'a fait duel wifi qu'a pété par pile là. Mais oui, c'est vrai. C'est nous qui comprenons que je dis hein, faut payer à changer, mais moun k'a vivre là dans kounya là yo, pas rien. Mais kounya laisser me dit nous tous mes amis. Gédé moun, gédé diaspora là, te connait vous adresser là dans moment là. Ou ka saisir ouais, je vous demande même un $20 pas ka voler pour assi. Y a pas semble comme yo. Et pour si tu vois ah ya va semble quoi bientôt au bord de là bon connait là on ka toujours dit on pas faire aucun intérêt là car en Haïti bon ka comprendre peut-être ces décisions ces choix mais je dis avec Rive Donald la pousse la fait un peu mon fait un peu réflexion pour venir dire qui ça est par rapport avec ensemble quantité ça m'investi déjà aux États-Unis et me pas constate bon même dit me pas constate par exemple et par rapport avec ça qui cap dit dans projet 2025 là Haïti m'ba là mon ça va là oui. Kouna moun ap di shit, ça m'a fait là, ça peut arriver là. Parce que problème moun yo gagné. Et parce que yo pa konnen ki sa Donald Trump kal pran comme décision. Et ceci dit, yo toujours est Donald Trump, li pa un politicien. Li son businessman. De tout ça qui ka permettre que économie États-Unis a crampé, recampé pour me dire bien, la prendre. Et tout ça qui servi comme obstacle pour empêcher que l'économie États-Unis avance, la prenne. Ça peut le monde comprendre, ça peut le monde ouais. Et c'est ça qui crée un pile doute. Là, il y a plusieurs millions d'immigrants, y compris des immigrants haïtiens. M'a dit au monde ça. J'aime des îles déjà. Faites fret. Vous prenez, vous voulez la Haïti. Vous allez vivre. Vous allez continuer à vivre. Par contre, vous êtes là. Je te travaille pour la caillou si ap déporte la caillou ba konn ki sa ba comment te ba comment te préparer la caillou ba comment te gérer la caillou parce que gennan nous là en pile ça fait nous paix nous pas ta souhaiter pour voyer nous là et pas seulement raison insécurité à tout non mais c'est parce que nous te fermé porte sur Haïti hein net de fermer porte ça net passer cadenas passer série passer chaîne parce que me dit ça on pas besoin ça encore du tout. Mais je dis, hein, avec Rive, retourner de la troupe, il commence à faire mon réfléchir. Parce qu'il n'y a pas qu'on est. Ça peut aller passer, ça peut aller arriver. Deuxième, nous avancer. Avec bataille capitée avec Konina. Blaise, bataille entre deux têtes exécutives. C'est affaire l'argent pour intérêt personnel, parce que vous arrivez à comprendre, vous cap exécuté pour faire des routes qui partent en dedans accord politique 3 avril 2024 qui ont été gagnés. Mais Gary Conny semblait senti que l'agenda parle là, qui proche accord, ou après, toutefois qu'elle parlait, il exigeait monsieur pour publier accord et 3 avril 2024. C'est qu'on senti, et monsieur conseil présidentiel de transition, ou bien messieurs dames, disons, il n'y a pas senti confortable pour le faire. Parce que l'équipe monde qui vient là, qui sans vision, qui n'est pas préparé, rien, il est venu là. Il a joué un temps, ou bien il a joué un espace vide, il a tout profité. Et pas oublier, c'est une équipe opportuniste. C'est une équipe opportuniste. Opportuniste, ça concerne bagaille. Blaise Peterson. C'est saisir le temps, saisir l'opportunité. Il n'y a pas l'autre bagaille qui a pris. Je dis à nous de comprendre. Et en plus, haïtien qui vivent dans le pays, les pays à tout, ils ont comporté comme des opportunistes, même avec les qui sont en pouvoir. Ils ont arrangé pour saisir l'opportunité que le pays a pour eux, mais ils n'ont pas offert le pays à rien. Si nous avons questionné le comportement classe intellectuelle pays, si nous avons
questionner comportement élite là, je dis. Si nous avons questionné comportement secteur privé des affaires là. Dans tout pays à travers le monde là, Blaise, l'université, secteur privé, il y a pratiquement bail en pile valeur avec planification ou changement pays. Parce que aucun investisseur n'est pas d'accord depuis l'illégal. Il n'est pas d'accord pour le plonger dans le chaos parce qu'il connaît quand c'est le sacrifice qu'il fait pour l'investir. Chaos n'a pas bon pour lui, c'est perdu, il a perdu. Malheureusement, nous-mêmes en Haïti, si là aucun secteur privé des affaires, il a protégé tête de ça qu'il a créé comme chaos parce que en pile dans yo c'est gang tout, yo c'est chef gang tout. Université, il veut mettre que ensemble on t'a pris en position qu'il était professeur, qu'il était étudiant, pour t'a pris en position face avec ça passé là, malheureusement, il a monnayé rectorat université là. Pour empêcher si moun yo fait mouvement, parce que si yo fait mouvement, c'est yo même qui pral victime. Songez, il y a plusieurs étudiants qui victime dans ce sens-là, bien que ces revendications en pile là yo sous mode fonctionnement universitaire ou qu'on a revendiqué, yo victime là-dedans, qu'on y a si à la proposition pays, bah la capable catastrophique pour yo. Pas loin là, 2004, sous Jean-Bertrand Aristide, n'a pas songé qui position que l'université a été gagné. Les ethnologues, moun sa ou pratiquement depuis au palais, yon depuis l'université à campé en Haïti, eh bien, donné obligé de changer. Mais ou pas remarquer qu'on perdu tout sens d'engagement sa ou dans l'université. Presse là également, côté moins à coup affecté dans le secteur par nous. Nous tout tandis que presse là, nous conduit nous côté nous y a. Yon pote discours de résilience, discours de pérèse par la population. Yon pas voulu accompagner la population dans yon bataille de révolution. De yon révolte et qui permet de changer de donnée. Parce que en pile, dans le patron des médias, yon entend yon, boss et patron qui yon gagne, li dans le secteur privé des affaires. Ok? C'est vieux caoutchouc la vann, c'est vieux bidon l'huile, c'est vieux sabzirik la vann, c'est vieux motocyclette, vieux machine, boss la vann, ou pas cap en position contre lui. Ou même comme journaliste. Parce que en pile fois, moi que, moun qui peut-être pas comprendre, c'est. Yeah, ça lui même exactement, ça veut dire il va comprendre la réalité qui existe et qui gagne par rapport avec situation ça yo. Et il va pas aller en dehors de ligne éditoriale radio. Il est obligé de faire sa ligne éditoriale radio amende, ou bien il suspend le travail là-dedans. C'est celle fois ça qu'il gagne. Yo des fois que nous essayons donc analyser monde qui a patronné patronat radio yo, patronat presse en Haïti là. Faut que nous garder. Parce que tout le temps il a dit nous pas innocent comme journaliste dans ça qui a passé dans le pays là. Nous devons d'accord oui. Parce qu'on a travaillé avec un série de patrons qui m'a ressuscité avec criminels nos droits, qui a raison qui mettait pays à côté de l'IA. Et malgré que le pays a plongé, n'est-ce pas essayer de te virer facilement pour rejoindre une population. En pile, on continue à conserver, en pile, on continue à protéger les gens qui sont dans la politique, dans le pays. On continue à protéger les gens qui sont dans le secteur privé des affaires, malgré qu'on est dans une mauvaise affaire. Qui rend que la vie peut haïtien très misérable, quel que soit côté trouvé à travers le monde là. Je te sais, révolte ça qu'il nous a fait. C'est pas révolution bout de mamite qui pas cadré, pas chita sou rien. C'est pas promesse révolution. Mais c'est peuple là pour arranger. Si nous pas leader, nous arranger, nous initier un leader dans mitan nous. L'université a commencé. L'école classique a commencé. L'église a commencé. Temple vaudou a commencé. Diaspora a commencé. L'i pas forcément un politicien. L'i pas forcément un nèg qui fait politique. Qui a lancé la révolution. Et je dis en tout, faut que nous ne paie pour attaquer tout esclave système non. Parce que yo servi avec la police. La police vient devenir le grand ennemi. OK? De toute mobilisation et mouvement qu'a fait en dans pays a contre le système qui est là. Et même police a dit que il est dans les capacités pour attaquer criminels notoires qui a pas théorisé qui a pris. Mais il a le plein pouvoir, il a force. Je veux dire, font manifestation dans Port-au-Prince. Contre l'insécurité, la police a bien fait sur le crasel. La file de balles sous, la file de gaz lacrymogène. Mais côté problème de sécurité, il n'y a pas qu'à intervenir là-dedans. Je veux dire, moi, je pense que, fait pas ici, il y a des cadres de bataille. Au lieu qu'il y ait une bataille avec gang à sa patte, on perd d'énergie, une bataille contre l'État. Pour exiger l'État pour responsabilité de la situation. Et moi, c'est ces meilleures formules, non? Ces meilleures barrières-là, c'est forcer l'État, exiger l'État pour que les mêmes en soi. Li prend responsabilité envers nous-mêmes.
Parce que tout pays sérieux, c'est l'État qui prend responsabilité et répond avec exigence que le gagne envers le peuple. Et je dis, si nous voyons que l'administration Biden, j'ai que l'été mené pendant 4 ans, je suis certain, l'été prend des décisions peut-être, qui peut-être te déranger, peuple américain, mais qui te arrangé ou tout. Parce que, vous connaissez, vini migrant soit dans programme pour l'humanité à traverser par Mexique, c'est vrai un bol déranger par rapport avec un peu l'immigrant qui conservateur dit pas bon, mais est-ce qu'on connaît tout vini immigrant ça tout living aider living grossir économie États-Unis hein? Même on s'en prend dit si on retire tout immigrant, même on s'en prend dit et immigrant textile pour dans quelques mois ou bien dans quelques années qu'a venir, parce que gagne de travail je dis à petit pays a pas faire, mais ou même qui c'est immigrant venir là qu'on les met là c'est des et là vous venez chercher là on fait regardez à part des bail qui il est comme si bail qui illégal qui n'a bail pas qui pas bon mais ou prêt pour faire des travail. Mais alors ce que je dis à petit pays a pile là pas dans bail comme ça, d'ailleurs il gagne de connait petit pays l'état bail ensemble avantage et peut-être avec rivé Donald Trump il pourrait joindre avantage ça yo. C'est ça, Mabdou. La canne en Haïti, qui est-ce qui peut penser pour nous? Qui est-ce qui peut décider pour nous? C'est l'autorité nous. C'est l'autorité nous. Et ceci dit, c'est nous-mêmes comme peuple haïtien qui vous mettez pression sur nous pour nous faire décider. C'est nous-mêmes comme peuple haïtien, Mabdou encore, qui vous mettez pression sur nous pour nous faire décider. Parce que sinon, là, Il y a passé dans bêtise, il y a passé dans rance, pourtant il y a riche, il y a tout privilège. Il y a 7 moun dans conseil. Il y a tout même privilège. Il y a tout même privilège. 7 moun dans conseil. 9 moun, pardon. Dans conseil. Quand le résultat est là, 6 mois qu'a pété, 4 mois égale connu en 6 mois. Quand le résultat, quand le bilan, comme moi, je me songe, les 6 mois de besoin ton bilan, vraiment pas contre le dabdio. Le vrai problème, non? Premier point dans la feuille de route, qui c'est rétablir sécurité publique. Et c'est responsabilité ni KPT, ni KONI pour faire. Mais qu'on ça? KONI a exécuté feuille de route KPT, mais en grosso modo, c'est responsabilité de tête exécutive, ni KPT, ni KONI. Qui ça vous fait? Est-ce que vous faites? Non. Et pendant là, il y a un territoire perdu. Pendant là, Badi fait massacre. Pendant là, misère continue à augmenter. Pendant là, il y a plus de monde qui continue à l'école. Qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que ça vous fait en sérieux? Qu'est-ce que je dis à mes pays ici? Hein? Mais les qui comprennent que la situation au pays, ça, m'a dit nous, mettez focus de pays, nous. Mettez focus de écotoyen. Haïti et Laurier, mettez vos qui sous lit, on goumet, on bataille, pour nous l'autre Haïti, pour nous l'autre l'État. Et ça pour nous dit. Mettez focus, on goumet, on bataille, pour nous l'autre l'État, on l'autre pays. Si c'est pour nous compter sur le monde, Haïtien, mais compter sur le monde trop. Nous trop parasites, nous trop paresseux. Ouais, et bien nous toujours culpabiliser le monde. Oh, c'est le monde, c'est tel qui fait ça. Mais je dis, hein. Si nous travaillons, nous qui te passe comme autorité, et nous-mêmes, comme peuple, nous te goûtons pour nous dédiquer, pour nous dédiquer Haïti, je dis à la piste, qu'est-ce qui est là, Haïti qui est États-Unis, Haïti qui a pris immigration sur ces domaines, il y a des problèmes, non? Mais il y a des problèmes entre la caillou, il y a des côtés pour l'État recevoir, et il y a des continuer à vivre. Je dis à ce moment, nous, Haïti qui est déporté en Haïti, sur ces domaines, là, il y a des problèmes, il y a des ça va le faire. Et souvent, on a ici, on a si Donald Trump a commencé avec déportation, on a déporté haïtien parmi les immigrants, on a déporté, ou après, on a pris haïtien, comme si on a dit, moi, non, mais ou après, on a dit, regardez, c'est fini pour vous. Et vous comprenez ça? Laissez-moi dire que c'est Kounia bataille entre KPT avec Gaël Koni, il prend l'autre dimension. Ça veut dire que bataille prend l'autre phase, et m'a dit, moi, que. Est-ce que qui est-ce qui a pigo victime non? Mais qui est-ce en deux et tête exécutif là? Honnêtement, qui ont tête cap coupé? Ouais, au lieu que nous dit que Jacques l'estivote était dit, qui ont tête qui bral coupé hein? Mais qui tête qui bral coupé hein? Mais gens que m'a apprendre là comme information que nous gagne qui bral partager avec Zaméter nous yo, eh bien, li prévoit là, mais li possible pour c'est toute tête gouvernement connu la couper.
Parce que selon toute dernière information que j'ai dit, je suis certain que vous avez en bas de tout. Eh bien, conseil présidentiel transition, les convoquer au état-major l'armée d'Haïti et la police nationale d'Haïti. Eh bien, dans le cadre de la réunion qui est fait, dans l'après-midi qui est vendredi, 8 novembre 2024, là. Après que, eh bien, pour yon capable de repasser en revue, ou bien, regarder, réanalyser, disposition qui pral prend dans les cap vini la yo. Ça veut dire, décision pour révoquer le gouvernement Konilan, li déjà censé prendre bon côté membre dans le conseil là. Parce que selon toute dernière information, et même Gary Konil, monsieur, qui a toute information dans mail, gagne 7 conseillers sous 7 conseillers qui ont droit de vote, qui déjà signé une résolution, et bien pour révoquer Gary Konil. Tenez bien ça me dit. Gagne 5 conseillers sous 7 qui ont droit de vote. Déjà 5 là-dedans, signé une résolution, et bien pour capable révoquer Gary Konil. Qui donc, n'a dit que dans les cas venir là yo, eh bien ou qu'attendez que conseil présidentiel là li sorti un arrêté qui révoque Gary Konil. Et pas oublier depuis Gary Konil révoqué, c'est tout gouvernement là qui tombé. Et pas oublier tout, eh bien trois conseils que nous cité dans scandale corruption BNC, yo tous les trois tous signé, eh bien nan on dit résolution ça. Pendant que un ensemble de secteurs qui a demandé pour que trois messieurs ça pas là, eh bien yo déjà prouvé que c'est eux mettre payant et eux chef payant d'ailleurs c'est eux qui nommé Gary Konil, eh bien yo ke droit de révocation, yo pral révoquer Gary Konil des Ibenes. La situation ensemble ça qui annoncé et pour certains il a dit qu'il pas nouvelle parce que quel était KPTA, quel était Gary Konil, yo yon yo pas dit. Avant de la nouvelle citoyen. Non, Blaise. Avant de la nouvelle. On a dit pas nouvelle. En plus on a dit la nouvelle et nouvelle lié en pour ça, on a brisé. Bamzo, c'est parce que yon nan moun sa quel était KPTA, quel était Konil, yon pas réglé rien en faveur de la République. Et bataille qui est là, je dis en situation, c'est garder qui côté intérêt pays d'Haïti. Vous voyez qu'on y allait avec tout gouvernement. C'est une autre crise que le pays a pris. Qu'on est encore, même si le conseil présidentiel de transition a été installé, nous avons déjà dit ça ici en Blaise, nous avons dit que c'est une crise entre la crise qui a déjà existé dans le pays. Exact. Parce que l'autre, dans 9 collèges politiques, vous mettez au chita ensemble. Vous savez qu'il y a une philosophie, vous savez qu'il y a une idéologie, vous savez qu'il y a une ambition. Vous n'avez pas qu'à délivrer, machin des ans, tout bon vrai. Vite loin, sorti avec Gary Konil. Qui te plus passé 12 l'année depuis le patron pays a, qui pas vraiment maîtrisé ou bien mesuré ça qui a passé dans le pays a, qui pas de équipe qui était sur le terrain. Je dis, on parle de l'autre résultat que ça aurait été là. Blaise, soit évalué, ni travail capité a, ni travail conseil présidentiel de transition, on ne peut pas que vous avez une bonne note. Pour ça que moi, même papa, population qui a baillé une note, je ne sais pas. Si je c'est zéro, je vais tout l'aider. Zéro, je vais ni capité ni connu. Moi-même. Parce que, je dis si n'a regardé, il y a plus de territoire qui perdu pendant 6 mois conseil présidentiel transition, 4 mois gouvernement Konil. Plus de territoire perdu, plus pour n'a pour quitter la caillou, plus pour n'a grand goût. Et ouais, monsieur dame qui le conseil présidentiel transition, il y a plus envie toute communauté internationale là au lieu que prend disposition à cause de projet question. Oui, nous d'accord. Que Gary Konil il pratiquement gain arrogance dans position là suite avec convocation que le conseil présidentiel l'a fait, puis tu es chita, puis tu es gardé. Mais en gros, il y a tout le conseil présidentiel l'a dit, il y a prévoqué le gouvernement Konil. C'est parce que nous sommes d'accord pour crise à continuer à perdre, pour crise à continuer à rester dans le pays. Après ça, on a pété sous table là, c'est négociation à 30 ans, oui. Puis tu es sorti avec une résolution, pour tu continuer avec transition, qui a parlé d'élection, bonnement dans l'élection Champouel qui a parlé, puis tu es accouché avec lui. Puis tu es mis au cadre la camper, oui. Organe de contrôle, la biotère tel de camper pour te contrôler ni action gouvernement, ni action la présidence en général, oui. Pour te contrôler transition, oui. KN, ça va te mettre le camper, oui. Si tu as envie de mettre sécurité, Blaise, nous te devons comprendre, pas qu'il y a un et trois sérieux qui t'a réglé. Prends chantier de sécurité, by le Sivoltel qui pas une expertise de la sécurité. Comme si, ou prends un mec qui dit c'est architecte, qui t'a dû non faire étude plan. Et puis, ou arrangez ou arrangez qui sont balayés comme responsabilité, sécurité. Qui sa sécurité gagne pour vous avec architecture? Qui sa sécurité gagne pour vous? Qui compte une expertise pour ça? Et n'est-ce que vous n'êtes pas capable? Vous dites oui, vous êtes capable.
convocation et ou état-major la MIA, convocation direction générale de la police ou bien directeur général de la police ou bien ou commandement de la police. La situation, c'est pour continuer avec mission Tibobo qui obéit la police. Ils ont servi avec une question état d'urgence sécuritaire pour empêcher la population de manifester. Et bien, c'est augmenter que vous allez augmenter. Sous acidité, sous férocité que la police utilise pour maltraiter les gens qui n'ont rien qu'à revendiquer droit les personnes. Pas de l'autre bagaille qu'a fait là. Et je veux dire, peuple haïtien a besoin de très intelligent. Peuple haïtien a besoin de veiller côté à mettre pied parce que non moment ça, c'est moment qui va être plus difficile, c'est moment plus compliqué, c'est moment qui peut être plus mal. C'est moment qui a besoin plus de monde pour aller perdre la vie. Parce que vous prenez le bas volume avec question insécurité que nous connaissons déjà là, qui bat un paquet de problèmes déjà. La situation compliquée. Moun pas même qu'a fréquenté 80% dans la région métropolitaine. Là. Département de la Tibonite, c'est même pareillement. Qui ça que monsieur fait? Si la personne d'autre évalue là, qui ça que nous dit que vous arrivez fait? Qui est bon pour la population? Nous pas qu'on est sous gain en basio. Mais moi-même, nous avons cherché la situation, nous pas jeune. D'après ça, diverses sources rapportent les nouvelles de la situation. Premier ministre recevoir. Il y a une résolution 5 membres qui signe pour Mandel pour l'aller. Sous ce qui parlait avec le journal là, fait qu'on est Laurent Saint-Cyr, Edgar Leblanc-Fils, pas signé résolution. Et n'a pas rappelé, depuis quelque temps, il y a une grosse division entre PM Gaïkoni avec gouvernement et KPTA pendant la population haïtienne était dans une situation qui est extrêmement difficile. Nous continuons à courir, quitter la caillou et par rapport avec problème de sécurité. L'hôpital toujours pas fonctionné. Ambulance conseille des actions qui ne pas fréquenter pour porter médicaments, pour mener malade à l'hôpital. Négro Abgoumé pour pouvoir les personnes. Président conseil présidentiel transition, Edgar Leblanc-Fils. Président ou bien conseil présidentiel, Frinel Joseph. Premier ministre Dr. Gaïkoni, à quelques maintenant gouvernement, qui était là-dedans, ministre condition femme, eh bien, Madame Marie Françoise Suzanne, ministre défense, Monsieur Jean-Marc Mercier Antoine, et puis commandant en chef l'AMEA. Général Derby Guerrier, avec plusieurs autres personnalités importantes dans la société, a participé dans la cérémonie 30e année existence ministère conditions femmes et droits femmes. Ils ont discuté sous question. Regardez qui j'ai au cap Bajaret avec droits femmes, ils ont dans le pays. Cependant, M. Damien Mouton KIP représente M. Damien jusqu'à présent dehors là-dedans. OK? Ils ont participé dans l'activité qui est liée avec ministère conditions femmes et droits femmes et ils ont ignoré. Présence, mesdames, yo, dans le conseil électoral provisoire, Ban Champouel, qui a parlé. Et faut que nous disions que le président KPT, dans le discours, profite, mande, pour continuer de travailler ensemble dans la société, parce que pas aucun gros changement positif qui a fait sans participation, mesdames, yo, Blaise Peterson, Zami, internautes. Représentant KPT, dans l'activité, si là, montrez-nous l'autre fois encore. Volonté, conseil présidentiel, transition, selon yo, pour continuer de travailler avec mesdames, yo, et puis valoriser. Droit qu'il y a, ou bien position dans le pays, la situation. Désir, l'autre point que nous là, c'est question d'apprendre que militaire ça va de rien. Yo, yo réalisé ça n'est plusieurs exercices en cadre de déploiement qui ont compté faire en Haïti. Militaire et ça va de rien. Yo, yo même qui militaire l'armée air, ça veut dire en l'air, dit militaire qui est spécialisé yo, dans question avion hélicoptère. Mais il y a pour déployer très bientôt en Haïti, mais il commence à entrer dans divers exercices la caillou dans le pays et Salvador. Et pas oublier que groupe militaire ça va de rien, ça yo. Y a rentré pour vin capable dans question évacuation hélicoptère et moun alors on dit soit policier soit militaire haïtien et soit de membres dans mission qui t'a blessé pour capable évacuer on dit aller avec eux à faire prendre soin et quand on nécessite mais regardez ça et pas oublier des événements c'est que Gagné et Ville Lagonave qui sous Iléon, li recevoir plus passer 1500 déplacés forcés à Kayer. Depuis que nous connaissons bandi yo te fait attaque sur mon à Kayer, eh bien moun ki obligé courir quitter à Kayer, eh bien yo obligé prendre ti bateau ti canot bois fouiller sa Iléon, risquer la vie pour aller à Kayer. Qui donc alors pour aller et Lagonave. Eh bien on dit que situation va être très compliquée, mais pour déplacer forcés à Kayer sa yo qui obligé même rentrer rapide de presto dans
la Gonave pour pas victime en babal ou bien en bas même bandits armés. Et là, dit que selon UNICEF, il fait qu'on est que, il y a plus que 3 millions de timoun qui besoin d'aide humanitaire. Mais timoun, ça qui besoin d'aide humanitaire, là, c'est à cause question et insécurité, ça violence gagne, question instabilité politique et mettez avec une catastrophe naturelle. Autorité dominicaine, n'y a pas campé dans déportation fait et compatriotes haïtiens la caille voisin. Et n'a dit que, eh bien, si ministre des Affaires étrangères pays d'Haïti, hein, Dominique Dupuis, l'État fait qu'on est qui a une baisse considérable dans la quantité et haïtiens qui diminuent et qui ont déporté la caille voisin. Eh bien, qui ministre et autorité dans le gouvernement dominicain, hein, eh bien, qui fait qu'on est c'est menti, par une question baisse dans la question déportation haïtien. Et il fait qu'on est qui a même décision, hein, chaque semaine, il a déporté 10 000 haïtiens qui irréguliers la caille aux amis internautes. Que je dis en là, situation, il peut être vraiment compliqué et amis internautes par rapport avec la situation qui gagne la question insécurité et bien qui va se grandir dans la société. Hein. Et je dis, hein, mais que chaque monde comprenne que ça qui est là comme réalité hein, et ça qui est là comme situation, hein, lit vraiment pas être très très compliqué. N'apprendre que ça kidnapping n'est pas campé des Yvenes, qu'on que n'apprendre que plusieurs cas kidnapping qui enregistré je n'étais vendredi 8 et novembre 2024 là et en dit dans capitale haïtienne là et parmi moun qui ont kidnappé yo, mais que plusieurs élèves l'école que bandi kidnappé dans capitale haïtienne là et désir Yvenes. C'est moun dit que je la situation peut être très compliquée et que ce zak kidnapping n'a recommencé encore parce que m'oublie me dit nous ça ouais les gars mais yo les qui ont pas jeune en rien yo pas jeune moun pour yo prendre pas jeune et kay pour yo pas jeune bagarre pour yo déchirer yo va commencer retourner avec question kidnapper moun en dans pays et ça fait ça c'est mettre quoi qui pouvait corps par rapport avec situation qui gagne là comme insécurité gè ambassadeur américain accrédité en Haïti monsieur Dennis Hankins et puis directrice USAID Jennifer Link qui participer dans conférence dans Atlanta aux États-Unis mais projet financement service assainissement résilient avec climat qui financé par USAID mais qui était présenté par Andy de autorité ça yo dans quatre séances de travail ça et vous dit que des Venez dossier mission multinationale soutien sécurité haïtien les bien dossier multinational soutien sécurité à Haïtien MM et MSS là et président pays Kenya c'est pas oublié c'est Kenya qui a dirigé mission ça et bien monsieur Palé monsieur Relé mais président alors président élu États-Unis hein, qui c'est Donald Trump n'est que discuté quand même commencer parler sur question avenir mission ça et président et vraiment l'idée by et Donald Trump y ont l'idée rapide sur question travail mission à faire en Haïti est-ce que ça dit que on va discuter vraiment pour que avec rivé Donald Trump dans pays États-Unis le 20 janvier qu'il va répéter serment est-ce que pral gen un super pral avec et Haïti pour permettre qu'il y ait la paix en Haïti ou dis-moi est-ce que président et Donald Trump les mêmes pral commencer pral au moins fermer Gilles ce dossier haïtien que beaucoup connaît mais l'important c'est que président Kenya William Ruto monsieur toute dernière information monsieur Palé monsieur Relé Donald Trump n'est que parlé mais sous dossier et mission en Haïti désir Venesse. Bon désir Blaise frère je tiens ça qui passe en Haïti hein. Parler avec Donald Trump parler avec quel que soit monde qui est lié à c'est l'affaire d'haïtien c'est pas haïtien qui décide pour résoudre le problème dans Blaise on garantit au problème dans la perdurer problème dans la continuer prend et dimension au lieu que nous voyons qu'il résoudre et ça qui a fait la Blaise entre moun nou ta ka di ki c'est chef d'état moun nou ta ka di ki c'est autorité là yo et bien yo senti yo confortable si peuple haïtien pas prend responsabilité face avec ça k'ap décret là Blaise m garanti yo nan 4-5 mois k'ap vini baga la plus compliqué et nouvel an k'ap avanse ya la avanse avec malheur la avanse avec douleur pour peuple haïtien Blaise personne parce que pa wè niveau conciliation ak réconciliation nan mitan équipe ça k'ap dirige pays ya. Au contraire, yo c'est symbole division entre yo et qui par modèle pour une population qui déchirée
presque dans tout niveau, des gens qui ont cherché assistance tout partout dans la situation. Désir, m'oublie, non, m'gravine avec ancien président Justin Privet, président provisoire, en 2016, qui était organisé l'élection, et qui débat nous avec, qui débat nous Jovenel Moïse comme président. Eh bien, m'gravine avec Justin Privet, et qui lui-même parlait sur le dossier qui est là, et bataille qui existait entre KPT avec EPM Gaïkouni. Entendez Désir, et puis, mais m'oublie, m'dis nous ça. M'oublie, m'dis nous ça. Dans les cap vini là, yo, pays a qu'à tomber dans véritable bouleverse. Parce que révoquer le gouvernement Koni, non? Est-ce que c'est ça solution? Est-ce que ça capote solution avec problème nous là? Changer ministre dans le gouvernement. Est-ce que c'est ça capote solution dans le gouvernement? Révoquer trois conseils que nous cités dans ce scandale corruption en dans KPT1. Est-ce que c'est ça capote solution avec crise qui est là? Bon, me pose des questions ou même cap tande et cap garder nous là yo. Ou capable écrit sur vous dans le commentaire. Et si m'a posé question ça Désir. Mm-hmm. Ni KPT conseiller présidentiel transition yo. Et Gary connait tout gouvernement là, on même cap garder cap tande avec Désir Venès là, combien tabay yo sous tabay ou note, tabay ou moyenne. Combien tabay yo? Est-ce que c'est 0 pour ni KPT ni Koni? Est-ce que c'est pour KPT, 0 pour Koni? Est-ce que c'est pour Koni, 0 pour KPT? Je ne sais pas. Et si tu as présenté un bilan, si tu as fait un bilan, est-ce que tu as fait un bilan positif pour Koni, un bilan négatif pour KPT? Hein? Est-ce que tu as fait un bilan positif pour KPT hein? Et un bilan négatif pour Koni? Mais est-ce que tu as fait un bilan positif pour tous les deux? Ou dis-moi, est-ce que tu as fait un bilan négatif pour tous les deux? Même qui t'aurait répondu dans le commentaire là. Et réagit. Parce que moi, je dis que, c'est une autre information qui a venu jouer nous. Bataille entre KPT avec Koni, là, elle prend l'autre dimension et elle prend l'autre phase. Et l'autre phase qu'elle prend, elle est probable dans les cas venus là, nous sommes capables de dire que KPT a révoqué tout gouvernement Koni. Bon, bien qu'il y ait été nommé, il y a eu pouvoir de révocation tout. Mais au cas saisi ou tout, que bagarre la vie plus compliqué. Parce que, Est-ce qu'on dit directement qu'il y a un pouvoir, il y a un pouvoir de révocation parce que c'est eux-mêmes qui t'est nommé, qui t'est voté. Bon, comme je dis, qu'on y a, qu'on ça qui est comme problème. Yeah, non, mais qu'on a avoir avancé d'aller. Le fait que je joue au fils de la présidence et comme qu'on y a tout pas gagné ça n'est les et parlement, fanny bagarre tout. Pas gagné. Comme ça, on t'a venu avant. Ah, bon, ok. Si t'es que parlement. Parlementaire, alors même pas, même parlement tout. Mais ça m'a dit, mes amis, m'connais qui m'ont qui comprendre, ça m'a dit, il va dire, ah bon, mais ça des a fait défense, et c'est ça, c'est le bon. Si des parlements, c'est bien. Et, moi qui dois avancer Désir. Député des parlements, sénateur et député, ok? Sénateur et député, et c'est ça m'a dit. Depuis gouvernement, gouvernement est installé, depuis c'est pas on va qui lié avec une violation qui tellement alors on trahison de nation que le fait dans dimension pour ta mandé pour ta faire révocation sous place parlement t'attendre une période de 6 mois pour évaluer travail gouvernement pour le voir l'aller et qu'on s'allie dans moment le pays kounya pas pa gagne parlement c'est 4 bouts de papier mettre avec ça là ni décret. Et on dit, à quoi 3 avril, décret 11 mai saliens qui mettait l'ex à ou là. Le fait que son décret ou à quoi météo, il doit dégager un consensus, il doit dégager une énergie, ok, pour que il soit capable de jouer en tête avec problème qui existait dans le météo. Parce que, ouais, je mets Gabi Blaise avancé, il dit que KPT a comment. Et je conseille qu'inculpé va aller non devant juge là parce que pas gagner la cour de justice elle dit les jouer sous ça parce que c'est ça pour nous comprendre nous désir ouais dimension débat faut que dimension pour comprendre et ouais là quel que soit le KPT le quoi fait comme bagala même Jean Maître Gabi Blaise qui c'est avocat Emmanuel Bertiller et qui c'est conseiller que nous cité dans scandale corruption BNC. Ouais, mais Gabi Blaise dit que c'est la Cour de justice qui t'a dû étendre et conseiller ça. Et parler de la Cour de justice, il t'a dû que et parlement avec sénateur et député, puisque pas parlementaire, ça veut dire juge Benjamin Félix, mais il n'est pas compétent pour le tendre
et pour tendre trois conseillers ça yo. Eh bien, c'est même gens. Si n'a rete dans l'institution, bien que Joseph a bagué parlement, mais gè Bible chita sous ça, eh bien, koni li même, li moutre nèg ou pas A plus B tout, qui l'a capable révoquer ou ministre ou capable révoquer ou gouvernement, c'est si de gè parlement, après 6 mois, li tap évalue travail gouvernement, si que pas satisfait, yo tap révoqué ou ministre ou dit monsieur, yo tap révoqué tout gouvernement. Kounya, nan face que nèg a fait là, c'est comme si, moi ou vini la, ba mi fom tè tout pour aller, parce que pas oublier. Puis le problème qui existait avec Kesso Kapeteyan, des Ifans Bagala Kle, et Kesso Président Tournant. Ouais, Kesso ça, Président Tournant chaque 5 mois, c'est plus gros problème Kapeteyan. C'est ça vous connaissez bien. On dit qu'on y a les Edgarter là, Edgarter genou harmonisation, bah qu'on est commenté à Rangil avec Koni, que il t'a bien passé avec Koni. Mais depuis l'estival qui a vini, le 7 octobre, pas jamais gen au conseil des ministres. C'est-à-dire, marionnette entre Leslie Voltaire et Koni, li pas passé bien. Et c'est presque même gens, li capable même gens. Si après Leslie Voltaire, pral gen et Fritz Alphonse Jean, qui sont là, voilà, tout. Ou pas jamais connaît que si les Fritz Alphonse Jean vient président et conseil, si Koni t'a arrêté, si pral pas de problème dans mettre en avion. Alors que si t'es un seul monde, qui c'est le président conseil là, l'autre moun yote là comme coordonnateur avec Libre Kotel, yote avancé avec elle, eh bien, tout ça que t'as discuté en termes de décision, yote arrêté, yote discuté, non, on pas fait harmonisation. Parce que là, son bataille, la Valas et puis PHTK mette avec Makout. Parce que, laissez voter c'est la Valas rouge. Gay connaissez PHTK. Et, l'igue 102 Makout la li. Elle dit, son bataille qui existait là, n'est pas réglé cause pays. Quand y a fait des ordres, d'accord ça? Quand y a fait des ordres, par rapport avec Salde, Salde promette jusqu'à présent, un peu que j'aime qu'a fait vraiment, mais Kapete a fait des ordres tout. Parce que Kapete avait 3 noms qui citent dans la corruption, faut qu'on m'a qui dit avec eux, selon un peu le monde, selon un peu l'acteur. Mais est-ce que Kapete a tout, à travers ensemble de conseillers qui dégagent des chantiers dans le qui ça a eu comme bilan, comme résultat de chantier gagnant? Qui ça a comme résultat? Qui ça résultat conseillé là qui l'a yo qui gagne des chantiers sous compte yo? Est-ce que va être résultat? Non. Oui là c'est ni Kapete a fait ni Kapete à 0 ni Koni 0. En avance les parce que m'a avec les et avec Jocelyn River. Blaise, ça me t'a dit que sous point ça moi clair, m'pa pa dit que est-ce que conseil présidentiel ou bien conseil présidentiel transition hein? Il y a une provision légale parce que c'est l'été voté, c'est l'été bas pouvoir pour le révoquer. L'été voté le débat pouvoir à partir de yon accord politique. Pour moi-même, ma sortie au correct, est-ce que yon en dedans accord politique qui a été signé entre yon, qui te permet que yon te rende Gary Koni te vin comme premier ministre? Parce que, ouais, que Gary Koni l'a plaidé en faveur respect des accords politiques qui ont été ensemble. Parce que jusqu'à présent, on sait présidentiel de l'autre côté. Il n'y a pas entré dans l'accord à Blaise. Songez, c'est parce que depuis en la gang, depuis au début, il était déjà violé l'accord politique. Là, Moïse Jean-Charles était arrangé qu'elle te mettait premier ministre. Donc, en plus, dans nous songez ça. Et ça t'a pas le permettre, tu étais obligé de garder majorité là, avec un autre Dieu, un autre calcul, avec plus de quantité de membres qui ont voté en dedans conseil là. Est-ce qu'elle doit continuer? Dans la discussion, dans la bataille qui vient là. Est-ce qu'elle a dû faire objet de révocation à craser le gouvernement? L'elle connaît pour arriver à joindre ensemble secteur qui pour arriver d'accord. Nous mettons l'autre gouvernement campé sous pied, pendant que les gens souffrent, les gens ont un grand goût, l'hôpital n'a pas fonctionné, la police a plein, il n'y a pas d'équipement, il n'y a pas de matériel. Et le premier ministre, Dr. Gary Koni, li évalue, li questionne avec communauté internationale là. Soit ensemble ça qui a offrir avec force de l'ordre en Haïti qui pas répondre. Et c'est 40% qui est là. Dans ça qui est promettre que tu as balé, mais moitié pour arriver. Li mandé avec monsieur Damio qui est dans le conseil présidentiel, transition, l'autre branche exécutif là, qui pratiquement a un pouvoir en part entière. Bon, exactement, parce que, et ça me l'a reprendre. Et chaque gouvernement qu'on y a, c'est chaque capité allié. Parce que Koni dit bagala clé désir. Koni dit que gouvernement qui a 14 ministères là,
Capeta gen 10 ministres. Avec communion. Li gen ensemble, li pa résumé en Port-au-Prince tout simplement. Li gen ensemble communion, section communale yo qui gagne mode d'opératoire et administratif yo. C'est Kazek, Asek, délégué ville, magistrat et les vice-délégués à travers les arrondissements et les délégués départementaux. Qui a si gen droit de nomination sous moun sa yo? C'est la présidence. Depuis tant, qui ça empêche nomination ça au fait? Toutefois, que mairie n'a pas fonctionné. Toutefois, que assemblée, section communale n'a pas fonctionné. Limité, gouvernement pratiquement en difficulté. Quel était ministre environnement? La besoin, ni Kazek la, ni Asek la pour travailler avec elle. La besoin, ni magistrat pour travailler avec elle. Quel était ministre intérieur? Li besoin moun sa ou même pour travailler avec elle. Si yo pas là, ou d'a dit que. Et le conseil présidentiel a arrangé que vous mettez une balle 4 pour empêcher que même le gouvernement y avance. Cependant, Blaise, le plus gros problème que vous avez gagné avec le conseil présidentiel, vous n'êtes pas aveugle. Déjà, vous êtes calé. Déjà, vous êtes à l'autre côté qui est dans la tête. Vous êtes ouais clair. Vous êtes compris. Vous avez 10 ministères, mais vous sur 14 ministères. Qui est-ce qui vote? 4 ministres régaliens qui ont boumé pour vous, Blaise? C'est même vous-même qui votez. C'est même lui-même, non? Il était capable de voter et non favorable avec eux. Mais on a choisi eux. Je dis, hein, c'est parce que nous avons aboumé pour procurer plus de pouvoir, pour procurer plus d'intérêt dans ce moment de transition. C'est après qu'il a aboumé comme ça, Blaise Pesson. En on venait avec Jean Dian, c'est président et Jocelyn Rivère, qui est même. Alors, président provisoire, bien dit, hein, et qui parlait, en me supplisant de ça, mais surtout, bataille qui existait entre KPTA et puis gouvernement Konina. Moi-même, moi toujours répété, pas de rien qui justifiait que les acteurs politiques se sont entendus sur cette formule qui n'est prévue dans aucun article de la Constitution. Cette forme de gouvernance collégiale avec 9 conseillers présidentiels et un premier ministre. Par contre, moi dis, même genre que le conseil des ministres présidé par le premier ministre Ariel Henry et qu'a nommé un conseil présidentiel de 7 ou 9 personnes, il aurait pu aussi nommer un conseil des ministres. L'article 149 reconnaît au conseil des ministres présidé par le premier ministre les attributs de l'exécutif. Le conseil des ministres, sous la présence du premier ministre, exerce le pouvoir exécutif. Donc, il exerce tous les attributs de l'exécutif. Autant que l'exécutif peut nommer un premier ministre, le conseil des ministres, au lieu de nommer un conseil de gouvernement, il aurait tout aussi bien nommé un premier ministre qui se chargerait de former un nouveau gouvernement. Maintenant, ça fait déjà 8 mois. Que cette formule est devenue une réalité vivante. C'est le moment pour les membres de cette formule de cesser leur chicanerie inutile et aborder les vrais défis de la société. Les 8 dernières années, 2016-2024, il y a eu 3 investitures de président en République dominicaine. Pendant ces 8 années, nous n'avons investi qu'un seul président. Comment, avec une telle instabilité, les 3 présidents de la République en Dominicaine, ils ont procédé à l'investiture, à 3 investitures en l'espace de 8 ans. Or, nous-mêmes, pendant cette même période, nous avons investi à un seul président. Ça veut dire, renouvellement personnel, politique, là, qui fait partie même de la dynamique démocratique que nous avons choisi, nous pas décidé de respecter. Et comment, avec une telle instabilité au plus haut sommet de l'État, nous avons garanti le bien-être de nos concitoyens quand notre seule ambition, c'est la lutte pour le pouvoir à travers une transition indéfinie. Il faut, en toute urgence, que cette transition défi de la société puisse être abordé par l'autorité légitime, librement choisi par le peuple à travers des élections honnêtes, démocratiques et critiques. Donc il est temps de cesser cette transition et d'organiser les élections, si j'ai bien compris.
L'objectif fondamental de toute transition, c'est le retour à l'ordre constitué par l'organisation d'élection. Maintenant, là, mon cap gade l'État qui gagne cet milliard. Now is the time. Les amis, oh, par contre, tu as dit ça, non, Desi Venez. Les amis, je vous aimerais bien clairement dire que l'IPACO, j'aime. Question par collégial là qui pas écrire aucun côté dans la constitution. Ça veut dire là, nego vient avec une formule, OK, pas un problème. Yo vient avec, yo dit que OK, il y a gardé ça le cabaye. Mais pendant 8 mois, alors 6 mois, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, bon, 8 mois. Oh, novembre oui, 8 mois. Pendant 8 mois ça nego gain là. Elle dit formule que c'est, attendez bien mes amis. C'est yo même encore proposé formule by collégial 9 moun sa ou, et puis premier ministre. Oui. C'est même yo même encore qui pa ka respecter ça ou te dit. Hein. Ouais, Justin Rivière dit que Ariel Henry qui te gen pouvoir pour te nommer by collégial ça et puis premier ministre, il te gen pouvoir pour te seulement nommer comme si face mettre un premier ministre en place li. Il a besoin dans by collégial 9 moun sa. Parce que ta plus simple désir. Bah, t'as plus simple. Peut-être soit que étant un premier ministre, ou dis-moi, est-ce que tu as pris dans le cours de cassation? Laisse ça, tu as pris, bah, qu'on est jusqu'à dans le cours de cassation, ce qui est basé sur la et puis tu as pris le premier ministre ensemble avec lui. Mais là, avec question, 9 mondes de 9 secteurs différents, 9 idéologies, et chaque monde a défendu ses intérêts clanique, et PM qui vient à tout lui-même, il a défendu ses intérêts clanique, et il y a des ministres qui sont dans le gouvernement, il a défendu ses intérêts clanique, qui donc, ou il y a un exécutif qui est tout chaque grain de monde, a défendu ses intérêts clan, intérêts secteur, intérêts parti, intérêts monde qui voye. Mais il n'y a pas de défendre ses intérêts peuple. On continue à dire, et comment Jocelyn River? C'est pas coup de correspondance que des différences sont abordées et des fuites dans la presse. C'est clair que y a une lutte pour le pouvoir là et de querelles politiques entre M. Voltaire et M. Kony. Qui regard ou porter sous conflit ça au plus haut niveau et de l'État, M. Rivière? On m'a dit que les relations entre les deux chefs de l'exécutif, à savoir le premier ministre et le président, ne devraient pas faire l'objet de tant de conflits inutiles. Les responsabilités de chacun des têtes de l'exécutif, chef de l'État et chef du gouvernement sont clairement fixées par des dispositions de la Constitution. Mais ça, nous avons souhaité que tout le monde rappelle. Constitution 87, là, les... Lui fait président entrer en campagne pour solliciter le support de la population, le vote de la population. Lui fait des promesses, lui prend des engagements. Malheureusement, il n'est pas habilité à travers cette constitution à mettre en œuvre lui-même ses décisions et la politique gouvernementale de la nation. C'est lui qui est dans l'élection, c'est lui qui fait campagne, c'est lui qui fait promesse, c'est lui qui fait engagement, mais pour implémenter l'engagement, pour le mettre en œuvre, il lui faut un gouvernement. Et le gouvernement, ce n'est pas lui qui le gère. Donc, or, il se trouve que premier ministre qui va le mettre en œuvre politique publique, c'est le président qui le nomme. Et c'est d'ailleurs et peut-être la seule décision que le président prend de sa propre signature. Donc il ne devrait pas y avoir de conflit entre un président et le premier ministre qu'il a nommé. Et il n'y a pas non plus de subordination du premier ministre par rapport au gouvernement. Ça doit être clair pour tout le monde. Les premiers ministres ne sont pas des subordonnés du président de la République. Ce sont les deux têtes de l'exécutif. Même quand un premier ministre aurait
aurait déclaré qu'il rentre dans le bureau président avec l'idée pas. Ils sont dit avec l'idée pas président, malheureusement, ça n'implique pas une subordination du premier ministre au président et encore faire du président le supérieur hiérarchique du premier ministre. Donc, pour moi-même, ça qui manquait, nous, ça qui manquait entre les deux têtes de l'exécution Chamaille, c'est un minimum de sagesse et d'humilité. Un minimum de sagesse et d'humilité pour comprendre que les intérêts supérieurs de la nation doivent transcender sur les petites querelles de chapelle. Et m'a dit aux deux bagages. Les ministres des Affaires étrangères, de l'économie des finances, de la justice, de l'intérieur, les délégués départementaux, les directeurs généraux de la DGI, AGD, PNH, mais ouais, difficilement un premier ministre qui a empêché un président entretenir des relations directes avec eux. Et je vais plus loin. Nous sommes directeur général de la DGI. Le président de la République me demande chaque après-midi de lui communiquer le montant des recettes perçues au cours de la journée à travers un fax. Vous pensez que m'a tellement senti moi proche président et puis m'a pas communiqué premier ministre l'information, m'a pas communiqué ministre qui soutient l'information. Deuxièmement, m'était ministre intérieur. Mes représentants au niveau des 10 départements géographiques du pays, ce sont les délégués du département. M'a descend dans bureau, j'ai une machine toute déléguée la cour du palais national. Ils ont été convoqués et sont en réunion avec le président de la République. Mais les autres en réunion, ils n'ont pas venu dire sa président dit. Ils n'ont pas venu dire qui instruction recevoir. Vous pensez que m'a dit, m'a fâché avec le président parce que il a reçu les délégués en mon absence. Président de la République. Et je peux, en toute liberté, appeler un ministre, demander à le rencontrer. Et il a l'obligation de venir me rencontrer. Quitte à lui d'informer le premier ministre que je l'avais invité à me rencontrer, mais qui instruction que m'bali et que instruction hein, la rapporte au premier ministre, l'a exécuté. Donc, m'kon en réunion avec le premier ministre Yvon Neptune. Le président m'appelle. Monsieur le Premier ministre, je m'excuse, vous avez de m'appeler, il demande à me rencontrer immédiatement. Je laisse la réunion avec le PM, je vais rencontrer le président. PM, non, je m'en ai levé puisque je suis chef, président Mouelem vient m'a joué. Non, j'informe mon Premier ministre Magique et je me déplace pour aller rencontrer le président. Stress, sous clairement, si j'ai bien compris, Gon, vous parlez de humilité, sagesse, mais là, si j'ai bien compris aussi, Gon, question de sens de l'État qui serait à l'origine de ce conflit. Parce que clairement, à vous écouter, il y a une tradition et il y a des dispositions constitutionnelles et légales qui établissent la séparation des œuvres, les prérogatives de chacun, si j'ai bien compris. Mais le président de la République, l'article 146, il assure le bon fonctionnement des institutions. Ça inclut aussi le gouvernement. C'est de la responsabilité du président d'assurer le bon fonctionnement des institutions. Même quand le premier ministre conduit la politique gouvernementale, mais c'est au président que revient la responsabilité d'assurer leur bon fonctionnement. Comment empêcher au président d'avoir accès directement à se charger de la mise en œuvre de ses engagements électoraux? Maintenant, là, nous parlons d'un schéma d'élection, nous avons une gouvernance et une situation spéciale. Maintenant, il y a des gens qui ont observé, qui ont regardé, qui considèrent que l'inculpation de trois conseillers résidentiels qui appartiennent au corps que le CPT fragilise le CPT. Et si vous aviez à gérer ça, quel aurait été votre comportement par rapport à cette situation, M. le Président? Et là, c'est un petit peu compliqué. Moins d'où déjà que cette formule m'a pas ouais côté au joint. À partir du moment où nous acceptons comme formule, nous signons un accord sous lit,
On reconnaît à ces messieurs la jouissance des prérogatives qui leur sont. Je ne vois pas comment, mais ça n'inclut pas que les faits qui leur sont reprochés, s'il y a des faits, ne relèvent pas des attributions du président. Parce que le président de la République a privilège de juridiction, je répète, le président de la République jouit du privilège de juridiction pour les crimes et délits commis dans l'exercice de ses fonctions. Si les crimes et délits commis ne participent pas de l'exercice des fonctions du président, la juridiction compétente, c'est la juridiction de droit commun. Maintenant, quand est-ce que la juridiction de droit commun peut intervenir? Et c'est là tout le débat. Du temps où le fonctionnaire exerce sa mission, il jouit de ce qu'on appelle immunité politique, à moins qu'il soit surpris en flagrant délit. S'il n'est pas surpris en flagrant délit, il faut attendre qu'il laisse sa fonction, pour que les tribunaux ordinaires se saisissent du cas. Maintenant, Jodia, et gagner de prise de parole de la part de certains secteurs qui voyaient représenter, qui voulaient retirer confiance sur fort, soit inculpé ou retirer dans la CEPA pour ne pas hypothéquer la perdition, ou faire des considérations juridiques, constitutionnelles et au plan politique. Et est-ce que d'après vous ou pas, présence M. Sao fragiliser une cette transition? Même pas dire au plan politique, mais au plan moral. Ou quand le proverbe là, la femme de César ne doit jamais être soupçonnée. Des membres d'un conseil présidentiel qui gère les intérêts de la République devraient être des irréprochables. Maintenant, clairement, est-ce que vous dites par rapport à situation ça, c'est des gens qui, comme c'est Tadou ou Tadoué, font un geste de se mettre en retrait et permettre au secteur et d'intervenir et au Premier ministre et Monsieur Voltaire, au président de CPPA, Ndakadi, essayer de redresser les relations pour et enlever plus ou moins ce grève d'hypothèque qu'il y a sur la réussite de la transition qui inquiète de plus en plus aujourd'hui. Pour être honnête avec toi, moi pas intéressé à ce que dit l'accord du 3 avril. Tant qu'intéressé, c'est la Constitution. Et me dit, au niveau moral, il y a un problème. Mais le départ de ces messieurs va ouvrir la voie à quoi? Et le risque de chambouler la transition est aussi visible. Or, comment est-il, après 4 ans, on s'achemine vers 4 ans d'une transition, finalement, que nous prenons décision pour nous dire, on mette fin à la transition ça à travers des élections. Or, toute initiative n'a pas. Si l'objectif, c'est d'assurer le lancement du processus électoral, très bien. Mais s'il s'agit, pour certains, d'asseoir leur pouvoir, d'être les seuls 5 ans. Non, là encore. Je voulais quitter mon fin de et Justin River parce que là, la fait une approche qui est très technique, mais pas oublié. Et c'est un ancien directeur général des GI, c'est un ancien ministre intérieur, c'est un ancien sénateur, c'est un ancien prisonnier et c'est un ancien président provisoire. Donc, les, et Justin River, c'est qui passe dans l'État contre l'État net, ça l'a dit encore, l'important pour nous donner. C'est tout ancien directeur général des GI, ancien ministre. Ancien prisonnier, ancien sénateur, ancien président. Certains d'asseoir leur pouvoir, d'être les seuls 5 ans, il était organisé toute seule élection en 2015 que le pape même conduit à terme. Alors que pendant son mandat, il devait en organiser 3. Le président Moïse est resté 4 ans au pouvoir.
Il n'a organisé aucune compétition électorale, alors qu'il aurait dû en organiser trois. Monsieur Ariel Henry, la toute première fois que je me rencontre, c'était le 19 juillet 2021, trois jours avant la fin de son, avant la France, son premier gouvernement, me dit Premier ministre, vous êtes là pour une durée entre 12 et 18 mois. Il faut rapidement lancer le processus électoral. Le 2 janvier 2024, il me rend visite. Il dit, Premier ministre, pas quitter le mois de janvier à passer son pas formé conseil électoral. Là. Après 30 mois à la tête de l'exécutif, il y a urgence que soit amorcé le processus de la fin de cette transition. Or, que ce soit avec M. Martelly, je dirais même, avec le président Aristide 2001-2004, Michel Martelly 2011-2016, Jovenel Moïse 2017-2021 et Ariel Henry, les acteurs politiques y ont mené toute forme de bataille, toute forme de guerre, pays loc, manifestation, grève, pour forcer le gouvernement, pour provoquer les départs de ces présidents. Mais jamais sur la question électorale. Depuis 8 mois, pendant 3 ans, Ariel, Ariel là, où t'es jamais tant d'acteurs pour vous parler d'élection? Pendant 8 mois qui sont passés là, les acteurs politiques, est-ce qu'ils ont parlé d'élection? Or, les élections, ce n'est pas seulement l'affaire du conseil présidentiel, du premier ministre. C'est aussi l'affaire des acteurs politiques, c'est la société civile, c'est la population. Tout le monde te doué un seul objectif, un seul cri, un seul complet. Relancer rapidement le processus électoral. Je veux dire ce qu'il nous faut pour ne pas hypothéquer la réussite de cette transition, c'est que chaque acteur dans la société a assumé sa part de responsabilité. Parce que si cette transition échoue, on fait un saut dans l'inconnu et personne n'a qu'à imaginer ce qui se passait si rapidement nous pas monter toute volonté nous pour nous organiser élection dans pays. Que c'est dans interview sur Magic 9 ou bien dans des conversations en background avec vous pour m'essayer de comprendre des réalités. On te dit nous que si nous allons dans le juge constitutionnel là, nous allons nous rentrer dans l'état dangereux pour pays. Et ou pas seulement dit qu'on dit ça, d'autres politiques nous vont parler publiquement au bonne ville. Nous faisons aventure là, nous quelque part, ouais, ça nous paye comme prix pendant les derniers mois. Et là, on se bat des mots qui semblaient pour moi des mises en garde très claires par rapport à sa capacité, la plus douloureuse que sa qualité nous déjà. Là, nous avons une hypothèse. Maintenant, si M. Privert, qui se dit là qu'il y a une conversation avec M. Henry, qui est un président que nous sollicitons dans cette conversation ce matin là, t'as gagné pour lui parler avec M. Kony. T'as gagné pour lui parler avec M. Voltaire. En considérant qu'il y a cette situation de conflit au niveau de l'exécutif, en considérant qu'il y a une situation de guérilla urbaine, de violence terrible et absolue contre la population, des milliers de morts et des centaines de milliers de déplacés, une douleur terrible dans des communautés qui victimes de massacres, économie écrasée, et il y a des mouna qui sont des chefs de gang, ou, si vous voulez, des leaders de guérilla, et Maripounda Koso appellation tout à l'heure, là, qui préconise la prise du pouvoir par la force. Et, lors du tableau, ça arrive, monsieur Privert, et, quels sont les augures pour l'avenir, premièrement, et deuxièmement, si vous arrivez à parler directement à M. Henry, à pardon, à M. Voltaire et à M. Kony, qui sont à dire? Vous écoutez. La lettre que M. Kony a adressée à M. Voltaire, il y a deux informations qui interpellent. Il parle des 700 000 compatriotes haïtiens qui sont forcés d'abandonner
leur domicile et de se réfugier dans des abris provisoires, dans des camps de fortune. Deuxième, lorsque je suis élu président en 2016, les informations qui me parvenaient, il y avait 3,5 millions de nos compatriotes en insécurité alimentaire. Quand j'ai posé la question, qu'est-ce qui est à l'origine de cette insécurité alimentaire? La réponse était que nous avons raté la campagne d'hiver. Ça veut dire quoi? Élection faite en août 2015, élection contestée d'août 2015 à janvier 2016, nous n'avons manifestation à longueur de journée, aucune disposition n'a été prise pour relancer les cultures que traditionnellement nous faisons en période ça. Et arrivé entre février et mars, 3,5 millions de compatriotes en insécurité alimentaire. La lettre du premier ministre, elle-même parle de, aujourd'hui, les informations laissent croire, il y a près de 6 millions de compatriotes haïtiens qui sont en insécurité alimentaire. Au moment de qui prédiction, qui opinion, grand proverbe qui dit nous, chien gangou, pas joué. Chien gangou, pas joué. Je crois qu'il y a urgence à ce que les autorités politiques comprennent l'urgence de mettre fin à cette crise politique qui ravage le pays depuis tantôt 5 longues années et que le pays retrouve sa stabilité et que des investissements puissent commencer à être implémentés dans le pays pour offrir à nos compatriotes de meilleures conditions d'existence. Que diriez-vous, pardonnez-moi que m'insister sur ça, que diriez-vous au regard de la performance et de la conduite et du conflit de M. Kony avec M. Voltaire? Que diriez-vous à M. Kony? Que diriez-vous à M. Voltaire? Monsieur, faites preuve d'humilité et de sagesse pour comprendre l'éminente dignité de la fonction que vous occupez aujourd'hui. C'est l'intérêt de 12 millions d'êtres humains qui sont en jeu. Il ne peut pas faire les frais de vos querelles inutiles. Je dis à Guéen, regard qui posait ces deux dernières questions, on va vous avoir avant nous remercier. Finalement, les yeux, Bakon, les noms, Mopos, l'offre d'entendre en grosso modo intervention et président privé, ça fait me quitter mon hôtel en vraiment, en une quantité pour capable d'entendre sa cap d'yant, ce qui Mopos désire sous ça. Alors, d'expérience privée dans l'administration publique, je pense que ça, l'APC élaboré, et le tape difficile pour ne pas bien position ça. Mais pas oublier que Justin Privert et lycée yon Lavalas. OK? Lycée Lavalas, en dépit de tout. Et là, pratiquement, et c'est donc, malgré discours, analyse correcte, mais on a senti, quelque part, les ontigeants pensés pour essayer de regarder ça qui est là, c'est à deux ententes qui t'a gagné avec le conseil présidentiel, spécialement le président actuel du CPT qui c'est également et représentant famille Lavalas en conseil présidentiel de transition. Mais et moi remarqué que l'hiver pratiquement qu'on était contenté dans temps avant, il y a un pile avancé qui s'est fait sous considération qu'il regardait là. Il montrait que peut-être qu'on tout le temps parler avec nèg qui était venu comme chef d'État, président de la République ou au moins ouais qui ont cap mettre pays à sous rail, non organiser élection c'est qu'on va dire faible situation. Et moi c'est ça l'éclair pour que mon yo comprenne par rapport avec la situation ça. Mais sans garder la désir parce que moi mon yo bien ébu de questions insécurité question ça. Mais moi là on d'afon rivé dans balade Tibonite bien que m'pa connait dans combattant en objet avec ça mais bon c'est qu'une d'a défon rivé dans balade Tibonite et cap permettre mon yo tendez parce que pas oublier mon pension des parents ville alors famille victime massacre pension des yan depuis dans jeudi 17 novembre là yo déclenché un mouvement. Et est-ce que c'est le cas possible, ça cap passer, ça cap dit, entre des quelques citoyens dans Poisson D, sous situation qui a passé dans Balatibonite après question massacre bandit, base grand griffio fait sur eux.
Nous demandons justice avec nous, bonsoir. Alors, je nous dis à jeudi à faire au moins 5 jours jusqu'à. Alors, je nous dis à jeudi à faire au moins 5 jours. Il faut mettre l'action publique en mouvement contre les criminels. Et si le commissaire du gouvernement, Paquet, dans l'ensemble, nous dit qu'il y a un contrôle de la police, il faut que l'autre qui passe. Et pour nous attaquer, gang. Mais son jouet n'est pas fait là. Son jouet et la police, la justice, ou bien le gouvernement pour pouvoir faire là. Son jouet. Son jouet, moi j'étais. Non, son jouet. Nous-mêmes, nous ne sommes pas venus pour Kenya et pourri. Moi, je ne vais pas cacher le but. Chaque soir, pour Kenya, je viens là, je viens chez Romba Bangou, je viens chez Prestige. Et plaisir, nous sommes venus. Nous-mêmes, nous ne sommes pas venus. Kenya avec la police, c'est pour nous faire la bataille. Al-Kazé, ça vient. En prologie, la police n'a pas barrière fait. Et puis pour le faire barrière bois, ça veut dire que vous venez de nous faire des gens. Et là, ça veut dire que les gens sont en niage. Je ne vais pas mettre les gens dans le palais national. Je vais mettre les gens qui pivotent. Il est temps, au moins, pour tout le monde qui mourir. Et puis, où est l'État? L'État avancé. Au lieu de nous faire des bagages, c'est PT à boumer pour le ministère. Ou bien, primati a boumer pour pouvoir. Ce n'est pas possible. Mais les gens qui ne sont pas chien, les gens qui mourent, c'est les gens qui ont besoin de justice. Et nous disons ça. L'homme ou cortège n'est pas CPT, ou bien cortège premier ministre n'est pas à l'aise. Mais nous-mêmes qui en bande à l'aise, jusqu'à maintenant nous ne pouvons pas fonctionner bien. Et il y a une information, nous avons kidnappé les gens sous Molyakou, nous avons kidnappé les gens sous Kafoupey, en bas de Blendeo. Ce n'est pas possible. Nous venons là, nous venons demander pour la justice, par la sécurité. À l'attaque, les gens. À l'attaque, les gens. Ou qu'on qui compte pour aller avec matériel. Ou qui compte pour blindé, ça va dire matériel. Matériel disponible. Nous demandons attaquer quand ça vient. Attaquer, nous mourons déjà. Nous mourons. Attaquer pour une justice. Quand ça vient, c'est nous prenons le travail, nous prenons le planter, et puis que nous récolter. Et pour faire tout le monde, on va aller dans la rue, 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 on va aller dans la r